Voilà. Oula. Et bienvenue pour l'épisode 197 de Cops. Et bah, je vous laisse à Tlon le soin de faire le résumé de l'épisode précédent. Ça, j'ai du temps. Wallon, comment tu me prends par défaut, Brutus, moi. En même temps, ça me fait toujours bien rire quand c'est toi. Par défaut, c'est une façon polie de le dire, mais... Ouh, alors... Un résumé de l'épisode précédent. Reprendre les notes. Alors, que s'est-il passé l'épisode précédent? Putain, il faut que je navigue déjà entre les notes. C'est vache de me prendre comme ça à froid, monsieur Chrome. C'est très vache. Il est 21h05, c'est pas à froid. Le... Si, c'est à froid. Alors, on a quoi? Il y a Lynn qui est allée dans un quartier pour habiller en prostituée pour se faire tabasser. Ouais, et ça s'est mal passé. Non, elle a réussi à avoir ses mandats d'arrêt. Ouais, mais elle a terminé à l'hosto, donc pour moi ça s'est mal passé. J'allais pas dire qu'elle allait avoir ses mandats d'arrêt, je pense qu'elle a surtout été en arrêt maladie. Mais... On va dire qu'elle a essayé de se confronter à peu près une douzaine de battes de baseball volantes. Et, on y reviendra au début de l'épisode. Et l'autre équipe? L'autre équipe, par contre, eux, ont eu une information de la part d'un de leurs contacts, savoir un Demia, concernant des enlèvements supposés d'enfants pour les bouffer. Ils ont été enlevés. À aucun moment, t'as parlé qu'ils ont été enlevés. Ah non, qu'il y avait des enfants... Alors, au début, je pensais que c'était des enfants enlevés, mais on parlait d'enfants qui se faisaient bouffer. On va dire qu'on... Une personne normalement constituée, mentalement parlant, veux-je dire, ne va pas penser que les enfants se laissent bouffer comme ça. C'est drôle. On est donc parti en... Ça dépend, parce que si t'es une grande sœur et que ta petite sœur est tirée au sort... pour être mangé, bah du coup tu te portes volonté. Un film là-dessus, il paraît donc. Vas-y, continue, monsieur Clan. Okay. Donc, suite à cette information, sachant qu'en plus il y avait un garçon et une fille d'une dizaine d'années qu'on avait récupéré du côté du secteur de Van Nys dans un sale état, c'est-à-dire aussi bien dans un sale état physique que dans un sale état psychologique. On a décidé avec mes petits camarades. Et donc, je crois qu'il y avait tout le monde. Hein. Il y avait Dennis, il y avait Clyde, il y avait Lynn, il y avait moi. Non, il n'y avait pas... Il n'y avait pas l'autre équipe. Il y avait que toi, l'autre. Torgen et Max. Et Max. Ouais. Vous avez fouillé, vous avez fait le tour du quartier, vous avez trouvé, avec les dessins du môme, un lieu qui ressemblait. Vous avez planqué devant, vous êtes retrouvés comme des cons, vous avez alerté les personnes et ils se sont quasiment tous enfuis. Alors ça, c'est ta version, camarade. C'est la version du MJ, ouais. Donc une version assez partielle, je trouve. Oui, tout à fait. On a trouvé un entrepôt, on a planqué devant, on a vu une camionnette arriver,
on a revu une camionnette sortir et on l'a interpellée pour un motif totalement fallacieux, mais on n'a rien trouvé parce qu'on a carrément planté notre jet. Et après, par contre, j'ai suivi la camionnette pendant que les autres continuaient à planquer. Une partie, je crois qu'il y a eu 5 adultes qui se sont cassés à pied et c'est Clyde qui les a suivis. Non, Clyde y a suivi le dernier. Non, c'est le premier. Max qui les a suivis. Il les a pris en photo. Ouais, parce qu'il ne peut pas suivre 8 personnes qui partent dans des directions différentes en même temps. C'est pas une possible. Une personne est partie à pied après la camionnette et Clyde l'a suivi. Et 5 personnes sont parties ensuite et Max 8. Les a pris en photo. 6. Et 18. 6, excuse-moi. Oh, 5, 6. On n'est pas un cannibale près. Et donc une fois qu'ils se sont barrés, la fameuse diffusion du documentaire, entre guillemets... Pas documentaire, de la fiction. De la fiction, ouais, de la fiction documentaire. De la fiction. De la fiction. Assez dérangeante, on va dire, avec des effets spéciaux vachement bien faits, d'adultes en train de littéralement bouffer des mômes. En sauce, en gelée, en tout ce que tu veux. Et quand on a vu ça, notre ami Max a réussi à avoir un mandat de perquisition illico presto quand le juge allumait la télé et a vu le truc. Il est tombé en effet. Boum, vas-y. Quoi ? Bah, t'as arrêté la camionnette à la frontière et on a trouvé des cadavres dedans. Après. C'est après. T'as eu d'abord ton mandat et après, une fois que t'es rentré dedans, là, on a. À peu près en même temps, de toute façon, c'est pas. Ouais, dans tous les cas, vous avez des preuves assez solide du fait des gens se sont bien ont fait une grosse orgie de nourriture à base d'enfants. Ouais, c'est ça. Sachant qu'on savait déjà à la base que l'entrepôt était loué par une association loi 1901, des frères de la chair, une association culinaire, bien entendu. Et donc j'ai réussi à arrêter la camionnette à la frontière mexicaine avant qu'elle se casse. On a réussi à arrêter le mec qui a été parti dans le bus, qui avait loupé Clyde avant qu'il passe la frontière, et on a un mandat d'arrêt sur les 5 autres qui sont dans la nature pour l'instant. Vous avez un mandat d'arrêt avec un visage sur les 5 autres. Voilà, c'est ça. Et apparemment, c'est en train de mouiner de savoir qui c'est ces gens-là. Voilà, et c'est le genre de truc assez dérangeant où je pense que pas mal de gens sont allés vomir. Je rajoute à ça, ce que tu as oublié quand même, c'est que vous avez aussi un listing des enfants, et qu'il en reste la moitié qui sont dans la nature. Voilà. Non, ils ne sont pas dans la nature, ils sont dans une ferme. Oui. D'après ce qu'on a décelé dans les traces qu'on a trouvées dans le hangar, c'est que les enfants n'ont pas été enlevés, ils ont été littéralement élevés, et en plus... bio, hein, histoire de bio, pour être consommé. Et voilà, on sait qu'il n'y a qu'une partie du cheptel qui a été bouffée, et donc il doit rester des mômes quelque part, qu'on ne sait pas où. Ouais. Voilà. Je reprendrai ça après. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter au résumé ? Non. Ok. Donc, je vais commencer l'épisode par Denis et le SAD dans un bureau. Moi j'ai un truc à rajouter quand même. Vas-y. C'est que le duo. Alors déjà, la semaine dernière, Eureka, Juan a remboursé Lynn. Hein, non événement. Et du coup, il l'a remboursé parce qu'il avait besoin qu'elle appelle un de ses contacts à propos. du gang qui en veut à la gamine O'Hara. Oui, celle que l'épisode O'Hara. Non pas précédent, mais précédent. Voilà. Et du coup, du 195. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire sur cette putain de guerre du Vietnam. Ok. Donc, je vais passer sur un autre canal avec Wedge. Merci de pas écouter le stream. Wedge, Coucou. Oui, non, mais vu que j'ai plus le son de la voix qui déplace, j'étais pas au courant. Oui, mais je t'ai switché, t'inquiète pas. D'accord. Donc, suite à ce qui s'est passé le dimanche, dès le lundi, malgré le fait que t'es censé être, en pause, les gens du SAD te font venir et te demandent, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, d'abord, tu es reçu au SAD et il te demande, est-ce que vous pouvez nous décrire l'opération que vous avez menée hier
avec l'agent Lindgren Reich. Ben, ce que j'ai compris, c'est que le... C'est... par contre, tu souffles beaucoup dans ton micro. Oui, mais vas-y. Donc, l'agent Reich m'a demandé un coup de main pour cette opération. C'est quoi le but, exactement ? Là, il faudra plus lui demander, parce que... Parce que de mémoire, elle m'en a pas parlé. Elle m'a juste demandé... Un coup de main, comme ça. Vous donnez des coups de main à vos collègues sans poser des questions du pourquoi, du comment. Jusqu'à qui... Et donc, pourquoi elle s'est déguisée en prostituée ? Alors là... Peut-être... Je sais pas. Je crois que, okay. Je crois que c'était un de ses contacts qui lui avait demandé un coup de main, mais pour... un truc, mais voilà, sinon j'en sais pas plus. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi a-t-elle abattu deux personnes? Deux personnes qui l'agressaient à coup de... qui étaient menaçantes et... Vous avez des vidéos de ça? Vous avez les vidéos, puisque je non. porte toujours... Bah si, je porte... Non, parce que quand t'étais en marche arrière, je te rappelle. Ah oui, j'étais en marche arrière, c'est vrai. Oups. Ah oui, j'étais en marche arrière. Si, j'ai la pression avec les battes de baseball, en fait. À quoi ? Là, quand ils ont lancé les battes de baseball. Oui, mais t'as pas tout, en fait. Tu sais pas, en fait. Déjà, tu sais pas ce qu'il a vu. Et il te demande ce qui a été filmé. Parce que nous, ce qu'on voit dans les images, tout ce qu'on voit, on a le son avec les coups de feu. Mais au moment des coups de feu, on voit pas ce qui se passe, en fait. Et c'est vrai, pour le coup, tu voyais pas ce qui se passe. Ouais, je voyais pas. J'ai entendu les coups de feu, je suis intervenu comme j'ai pu. Et c'était quoi l'intérêt de cette procédure, en fait? Pourquoi ces coups de feu? Pourquoi elle était en danger? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, par contre, j'ai vu les gars menaçants. Ça, ok. Ça, donc, elle était menaçante et elle a tiré? Non. Pas elle. Les gars étaient... Les 15 personnes... avec des battes de baseball et tout, était menaçant envers les prostituées de cette rue-là. Okay. Voilà. Mm-hmm. Ah, il menaçait les prostituées. Oui, à ce que j'ai compris. Et donc, en tant qu'agent des forces de l'ordre, elle s'est déguisée. Pourquoi ? Parce que c'était pendant ses heures de travail, on est d'accord. Je suppose que c'était pas pour le plaisir qu'elle s'est déguisée. Non. Pour justement attirer. Parce que c'est ce que j'ai compris, c'était pas la première fois qu'il venait dans cette rue, en fait. Ok. Et donc voilà, je pense que c'est un de ses contacts qui lui a demandé un coup de main. Ok. Pas la première fois, ok. Et pourquoi a-t-elle fait l'usage de la force sans déclarer le fait qu'elle était agent assermenté ? Peut-être la panique de l'action, je sais pas. Là, il faudra lui demander. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à tout ça ? Que j'aurais dû intervenir peut-être plus tôt, plus vite. Comment pensez-vous que vous auriez dû intervenir ? Vraiment barrer le chemin entre les agresseurs et ma collègue. Ok, donc je résume les faits. Votre collègue est déguisé en prostituée pour aider un de ses amis pendant ses heures de service. Contact. Une quinzaine de personnes l'agressent. Quand je dis contact, je dis non, mais... indique. Oui, non, mais je... D'accord. Ok. Indique. C'était bien de le dire, quand même. Ok, donc une quinzaine de personnes l'agressent, elle fuit. On le voit dans la voiture qu'elle passe au-dessus de votre voiture. Oui. Elle fuit. Et ils sont menaçants avec des battes de baseball. Elle ouvre le feu une première fois. Après, vous réagissez. Elle ouvre le feu une seconde fois et vous l'embarquez. C'est ça. Et à quel moment elle reçoit les battes de baseball ? Juste avant que je... Donc après le deuxième, après le premier tir. Oui. Ok. Oui, et ensuite je la vois tomber.
Il me semble que je l'ai retombé. Hein. Bah, tu la récupères, oui. Donc, ok, ça sera tout. Merci. De rien. Allez, hop, on passe au-dessus. Je te switch. Allez, et on descend avec Monsieur Obi qui se fait interviewer quelques secondes après son réveil par un agent du SAD. Ouais. Parce que quel réveil sympathique. Voilà. Donc, Miss Reich. Oui. Allô? Oui, oui. Comment vous sentez-vous? Un peu enfariné, mais ça va. Est-ce que vous êtes capable de répondre à les questions d'un agent du SAD sur ce qui s'est passé? Donc, il te redonne la date au soir. Oui, oui, bien sûr. Alors, on a déjà interviewé votre collègue, donc on aimerait bien avoir votre version de ce qui s'est passé là, et la comparer à la sienne. Donc, oui, allez-y. Vas-y, si vous pouvez m'expliquer ce que vous faisiez dans cette rue, pourquoi, comment, pourquoi vous avez ouvert le feu sur des civils. Enfin, voilà, en gros, votre version des faits, quoi. J'étais sur mon enquête, je donne le numéro de l'enquête des œufs. Ouais. Et parce que j'avais entendu comme quoi une des personnes que je cherchais à approcher pour avoir des infos avait peut-être été peut-être friand de prostituée. Et donc je voulais rentrer en contact avec lui pour essayer d'établir le dialogue. Et donc bah, je me suis retrouvé là-bas. Je savais que c'était gros son endroit préféré. Et bref, et voilà, et du coup j'avais aussi eu l'écho par certaines autres personnes que des milices nocturnes faisaient peut-être un peu la loi dans le quartier. Donc je m'étais protégé en fonction d'eux, quoi. Et Vous étiez au courant que des milices potentiellement armées se baladaient? En fait, j'avais entendu que quelques individus. J'avais pas entendu que c'était un grand nombre. En tous les cas, voilà, j'ai commencé à faire ma planque pour être... mon approche pour être peut-être contacté par la personne que je visais. Et du coup, bah, au bout de quelques temps, des gens se sont pointés. J'ai essayé de reculer. J'ai reculé. J'ai reculé pour m'éloigner d'eux et essayer de... Oui, on vous a vu passer devant la caméra de votre collègue. Voilà, et au bout d'un moment, c'est avéré que... il m'a semblé important d'essayer de les identifier en tant qu'officier de police. Donc je me suis arrêté pour essayer de... d'avoir un meilleur aperçu de qui j'avais en face à vous, qui était en face de moi, et là ils se sont montrés très agressifs en chargeant contre moi. Et donc, comme tout citoyen qui a le droit à se défendre dans une telle circonstance, j'ai ouvert le feu. Une première fois. Tout à fait. Il n'a pas été mortel. Parce que je sais viser. Ah bah, je sais pas, vous avez l'air de dire que vous étiez chargé. Bah, chargé par eux. Eux qui me chargeaient dessus. Ok, donc vous avez ouvert le feu. Voilà, j'en ai neutralisé un. Incapacité plutôt, serait même le terme. Le choix des mots est important. J'en ai incapacité un, et du coup, pensant et espérant faire peur aux autres et les faire fuir, mais il s'est avéré que dans leur peur, ils ont balancé des... leur batte de baseball. Leur batte de baseball sur ma tronche. On les a retrouvés. Alors, je tiens à dire que si MJ avait lu la règle 1-1, je serais pas tombé en négatif. Mais. Tu vas mourir. Il est écrit dans le truc que si les coups sont pas suffisamment logiques pour franchir en dessous, ça reste à zéro. Voilà, c'est tout. Logique de quoi? Il y a un chapitre sur ça où justement. Je te jure que tu lances une batte de baseball, tu vas voir si c'est pas logique les dégâts que tu prends.
Moi, j'arrive pas à y croire. Ah bah, moi, pour en avoir lancé des bats de baseball, si, je peux te dire que si. Ah bah, moi, j'en ai lancé, mais je peux comprendre que ça fasse mal. Mais fasse mal au point de tuer quelqu'un, avec 5 battes, jamais. Hein. Surtout si la personne, elle les voit arriver. Hein. Parce qu'elle les voit arriver, elle a la chance de sauter et de potentiellement amortir le coup, tu vois. Après, moi je vois pas. Mais c'est pas très grave. Peut-être que toi, peut-être que l'image que t'as de la scène, les mecs, ils étaient beaucoup plus proches que ce que moi j'ai dans la scène, en fait, dans ma tête. Mais voilà. Mais dans tous les cas. Non, ils étaient pas à 10 mètres non plus, hein, pour moi, mais voilà. Mais oui, c'est sûr, s'ils sont loin, oui, forcément, la force cinétique, elle se diminue, on est d'accord. Mais dans tous les cas. Voilà, ayant pris beaucoup de coups et ayant peur qu'ils viennent pour finir le travail, vous êtes défendu. J'ai tiré un petit peu plus. Voilà. Oui, deux morts. C'est honnête. C'est bien ce que je t'avais mis sur ton kill. Ouais, deux morts. Il ouais. Y a des choses qui me gênent dans ce que vous me dites. Vous dites que vous étiez sur une enquête. Bon, j'ai vu vos numéros, les numéros d'enquête, les numéros. C'est pas ce que m'a dit votre collègue. Il m'a dit que vous étiez là pour des raisons personnelles. Bah, c'est-à-dire que bon, cette enquête, elle est un peu longue et périlleuse, et donc du coup, j'évite de trop en parler, quoi. Parce que les agents russes, comme je me frotte à de l'espionnage, je préfère garder un peu le profil bas, vous voyez. Ok. Une note. Hein. Je vais pas vous cacher que sur l'ensemble des on est d'accord que sur l'ensemble des enregistrements qu'on a, à aucun moment vous êtes annoncé en tant qu'officier de police, alors que vous étiez à ce moment-là dans vos prérogatives. En effet. Parce que ça aurait grillé ma entre guillemets ma couverture, c'est-à-dire que j'espère bien pouvoir y retourner un de ces quatre et rentrer en contact avec l'individu en question. Et donc si ça me ferait plaisir que la prochaine fois vous partirez, vous affronterez pas 15 personnes avec votre arme. Certes. Voilà, mais si les gens du quartier commencent à savoir que je suis de la police, ça va vite se savoir. Ok, c'est pour pas griller votre. Voilà, ouais. Ok. L'autre question, c'est cette arme-là, l'arme que vous avez utilisée, qui n'est. Est-ce que tu l'avais déjà utilisée en fait en opération? Oui. Le jour où j'ai eu, donc du coup. Ok. Le jour où tu l'as eu, mais tu l'avais pas eu à un concours? Oui. Mais t'es pas encore enregistré à ce moment-là au COPS, parce que tu l'as enregistré au COPS depuis. Oui. Donc c'est la première fois que tu l'utilises officiellement, en fait. Ouais, je pense que dans les rapports balistiques, les cadavres du truc, oui. C'est pour savoir. En fait, le truc, c'est que il te pose des questions. Pourquoi l'utilisation de cette arme? Vous avez 3 armes de service. Pourquoi celle-là en particulier? Alors, il comprend le pourquoi du PAL Compact Uni. Ouais. Mais pourquoi d'habitude vous utilisiez plutôt une arme de gros calibre et là l'utilisation d'une arme qui est plutôt à tir multiple, quoi? Sachez qu'une milice de plusieurs personnes était là. Vous voyez la corrélation que je peux faire? En fait, c'est tout simple, c'est que mon revolver principal, que j'appelle entre guillemets. Non, ne le dis pas. Ne le dis pas. Je pense que tu as un peu de survie que tu le dis pas, ça. Enfin, voilà, mon arme de service que j'ai d'habitude, mes deux armes, le combat queen, évidemment, c'était pour pas prendre le risque de le perdre, vu le prix qu'il coûte. Et mon Ruger Falcon, c'est-à-dire qu'il était trop gros pour être dissimulé, en fait, dans les vêtements que j'avais et dans le sac à main que je portais. Okay. Et donc le Terminator semblait être le mieux adapté, même si effectivement j'aurais préféré un truc un peu plus léger. Mais à noter que je ne l'ai pas utilisé en tir en rafale. Ok. Bon, je vous cache pas que votre dossier est compliqué au vu du nombre de personnes que vous avez tuées au cours de l'année précédente. Et que même si à chaque fois c'est justifié, ça devient de plus en plus étrange. Donc, durant la durée de l'enquête, vous êtes suspendu. On a saisi déjà votre arme et on a déjà fait des perquisitions chez vous. Et à votre bureau. Ah ouais, d'accord. Pour confirmer. Ah ouais, d'accord.
Et en attendant de la reprise du service, bah, vos trois armes sont verrouillées. Vous n'avez pas le droit de porter la plaque et l'uniforme. Et on vous rappellera pour vous donner les conclusions de l'enquête. Donc pour l'instant, ils te disent que tu es suspendu pour une durée illimitée. Hein. Ouais, de toute façon, a priori, je suis suspendu, mais je suis dans l'hôpital. Ouais. L'hôpital en plâtre, donc bon, voilà. Oui, ça, dans l'absolu, mais c'est juste, voilà. Et du coup, dans combien de temps les conclusions de l'enquête seront... Il te dit clairement d'ici une ou deux semaines, à moins que tu lui aies caché, que tu lui caches des choses et qu'il en découvre plus, ça va peut-être durer plus longtemps à ce moment-là. Donc si vous avez des choses à rajouter à ce que vous m'avez dit ou revenir sur certaines choses... Je vais juste sortir des dossiers sur Denis en fait, pour lui expliquer pourquoi. Je dis pas tout à mon partenaire parce que sinon la moitié de la ville serait au courant en fait. Ouais. Tu charges ton partenaire quoi. Ouais. Tu dis il est pas apte de confiance. Ok, d'accord. Non, c'est pas qu'il est pas apte de confiance, c'est qu'il est trop gentil et donc des fois il sait pas fermer sa gueule. C'est tout ce que j'explique. Et donc du coup je suis obligé moi de restreindre les informations que tu lui donnes. Et donc il n'y a pas forcément sinon, mais il te dit voilà, t'as rien à modifier par rapport à ce que t'as dit et par rapport à ce qu'il pourra trouver lui dans tes dossiers parce qu'il va avoir accès à tes dossiers et à tes fichiers en fait. Bah non. Et à ton téléphone. Oui, mais pas à tous, donc du coup. Oui, ceux qui l'a saisi. On est d'accord, de toute façon, je pense que toutes mes conversations sont à l'oral, donc du coup. Je me doute que tu ne laisses pas de. Voilà, donc a priori. Après, tu me dis, hein, si tu penses que le mensonge que je lui ai sorti, il va trouver des. Il sait que. Enfin, si tu penses. Bah, fais-moi un jet d'éducation. Qu'il y a des preuves qui vont. Fais un jet d'éducation à la limite. La difficulté est de 3. 3, tu. En gros, tu vois les points en fait que peut-être il faudrait lui dire histoire que ça te. Bah, je peux mettre un point d'ancienneté si tu veux. Bah, fais-le, hein, de toute façon. Voilà. Bon, je te donne pas les détails, mais il y a 2-3 trucs où tu reviens particulièrement en fait pour lui dire que tu. Est-ce que tu lui parles. Alors, par contre, ça, tu lui en as pas parlé, mais est-ce que tu parles du fait que tu savais qu'il y avait potentiellement des flics ripoux dans le truc? Alors, non. Ça pas du tout, par contre. Ok. De toute façon, il en pose pas de questions là-dessus. Par contre, ouais, il te. L'histoire avec ton contact, tu la développes un peu plus pour faire comprendre que en gros. Tu savais parce que on t'a renseigné et que c'est des voilà tu parles pas du fait que t'es protégé ni quoi que ce soit mais en gros que t'as des informations dans le quartier et que t'as besoin de continuer cette couverture quoi. Ouais d'accord. Mais voilà t'arrives à noyer plus ou moins le poisson mais sans trop lui cacher la vérité quoi, c'est-à-dire que tu dis que t'as des contacts voilà. Parce que c'était ça le problème, c'est que lui, il savait que t'avais des contacts en fait dans le quartier. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu la mèche et qu'en même temps, il a pu le savoir peut-être d'une façon, d'autres façons aussi. Mais voilà. Il te demande clairement de donner le nom de ton contact, histoire de. Alors, c'est pas pour l'arrêter, parce que ça lui apporte rien à lui de l'arrêter. C'est juste si des fois il est impliqué dans une affaire où tu es lié, qu'il puisse faire un rapprochement. Moi, je lui donne le nom, hein, je lui donne le nom et je lui dis comment je l'ai rencontré en fait, que je lui avais sauvé la vie Okay. Dans telle enquête et tout quoi, et que voilà, et que depuis. Ok, bah pour lui ça y va. Par contre, il te dit clairement, c'est limite hein, le coup de tirer sur sans s'annoncer, c'est juste pour parce que prostituée, ouais. Il va voir avec ton chef ce qu'il en pense par rapport à ton enquête. Et c'est ton chef, il te dit, c'est ton chef qui décidera si c'était la bonne chose ou non à faire. Donc tu te démerderas avec lui sur ça. Ok. Il te laisse, et puis il te repasse avec tes amis. Je switch d'abord le bot. Vas-y, switch moi aussi. Hein. Oh ouais. C'est tout. Bah, voilà. Toi, donc vous pouvez re-rentrer dans la salle, l'agent du SAD est ressorti. Eh bah dis donc, ça a duré. Ça va, Lynn ? Comme un charme. Elle a l'air comment sur les nerfs ou... C'est elle qui va te dire. Je suis con, j'aurais dû parier 200$ avant, j'aurais peut-être récupéré les 200$.
C'était quoi? C'est qu'ils sortent vivants ou morts, l'agent du sale? Bah, j'aurais dû parier, est-ce que Lynn va sortir en conservant son grade actuel ou est-ce qu'elle va être rétrogradée ou pas? Bah, je suis désolé, mais... Bon, déjà, Max, il a rien eu hein, pour le mec qui l'a flingué hein, et qui courait. Hein, donc, Ouais, mais c'est parce qu'il était coupable. On va dire que c'est un coup de bol. Un signe du destin. Moi, j'ai abattu les Max, gens qui supérieure. Le l'agent du SAD te le dit à la fin de l'entretien, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire, mais les gens en question, il n'y a personne qui a déposé de plainte en fait sur ce qui s'est passé. Tiens, comme par hasard. Dans les 15 qui ont agressé, il n'y en a aucun qui a appelé la police pour dire j'ai agressé. Ah si, il y a les familles qui ont appelé la police, mais ils n'ont pas déposé de plainte. Ah. Ce qui veut dire beaucoup. Du coup, on a les noms des cibles, des prévenus. Bah non. C'est parce que je c'est pas ton enquête. Ouais, j'avoue qu'avoir le nom des victimes, ça peut être pas mal, mais... Je veux bien savoir de quelles origines ils étaient, etc. Direct, mais essayer de te faire à peu près une vingtaine de gars direct à toi toute seule, c'était un peu passé à barre haut, quoi. Hein? Alors, attends, juste avant que tu truques, Tlon, tu me fais un jet d'éducation pure. Oula. Oula. Tu me demandes ça comme la ça. La difficulté est à 2. Oh. C'est-à-dire, est-ce que je dis ça avant que le mec soit parti ou après? Non. Alors. Ou avant que le père n'arrive. Ah, j'ai fait 1, j'ai loupé. Yes, je suis content. Non, bon, ok, tu dis tout ça, comme ça. Exactement. Il y a juste un truc, c'est que... avant que le mec du SAD parte, je lui aurais posé la question quand même. Que j'avais à contacter mon contact, justement, pour avoir des infos pour des collègues. Mmh. Est-ce que dans le cadre de ma suspension, il vaut mieux que je l'évite ou est-ce que oui, je peux le faire? Clairement, il te dit d'éviter de faire des vagues, particulièrement si il n'a pas spécialement envie pendant son enquête de tomber sur toi, parce que ça deviendrait extrêmement suspect. Mais moi, après, info, il te dit. C'est juste un coup de pied, mais... Après, il te dit, c'est toi qui vois. T'es sous enquête. Il te dit, t'es libre de tes choix. Il dit juste que s'il tombe sur toi au moment où il, par exemple, je sais pas, il est en train de parler à ton contact et que tu l'appelles en même temps pour lui demander des trucs, ça va peut-être mal pas le faire. Tout mais, de suite, je vois pas pourquoi. Elle prend des nouvelles, des informations de son contact direct, je vois pas où est le problème. Mais dans tous les cas, il retourne faire son rapport à son officier Damasque. Oh, il alors, a réussi à choper Lynn, il devrait la gueule lui en ce moment. Vas-y, oh, Lynn, nous fais pas mariner, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Rien. Bon, a priori, ils enquêtent quoi, c'est tout. Hein. Et c'est tout? Putain, tout ça pour ça, décidément. Quelle bande de trous du cul. Lynn, Max. Faites-moi tous un jet d'éducation. Ouais, je suis suspendu jusqu'à nouvel ordre. Hein. Bon, ça, c'est pas dans la durée de l'enquête. Ah bah, mais priori, oui, on voit sur ton lit d'hôpital que t'es suspendu. Mais... J'aime beaucoup. C'est très bon. Ouais. Éducation. Okay. Ouais. A priori, bon, pour, Max et Lynn qui réussissent. Pour Max et Lynn, clairement, la pièce a clairement pu être sonorisée par le SAD. Ils ont eu tout le temps de le faire. Hein. Ok, c'est rassurant. On peut toujours compter sur les SAD pour être là au moment où ils sont utiles. T'es suspendu, mais t'as pas de conséquences pour l'instant, du coup. Ça va aller? Non, ça va. Il y a une conséquence, elle a plus ses armes. Oui, ça va, je peux me passer. Hein, suspendu, genre, on peut plus t'inclure dans des enquêtes en cours ou t'es juste suspendu? Ah bah oui, parce que moi, pour le coup, je suis pas en état d'aller crapahuter. Hein. Oui, ça j'ai remarqué, mais on peut toujours passer par toi pour avoir des contacts ou des choses comme ça.
Et sinon, physiquement, ça va, tu tiens beaucoup? Non, non, ça va, ça va. Ça fait mal si j'appuie là. C'est de la chance qu'elle a pu ses armes. Justement, pour une fois que je peux en profiter. Et hey, t'as de la chance surtout que je t'ai remboursé 200$, parce que à mon avis, vu la gueule de l'hôpital, ils doivent prendre cher à chier. Oh, mais j'ai une assurance, tu sais. Alors, je me permets de rajouter, dans l'esprit de Juan, si elle peut pas bouger de son lit, ça veut dire que son portefeuille avec tes 200$ sont pas loin. Ouais, mais non. Après, tu risques ta vie comme tu veux. Il y a des chances que ma coloc soit venue les récupérer. Hein. C'est ça. Mais de toute façon, un, je ne suis pas suicidaire, et deux, je ne suis pas ce genre de flic ripou. Ah, donc tu dis bien que t'en es un. Oui, il parle au MJ, hein, il parle pas à haute voix. Hein. Ouais, oui, je sais, mais c'est pour le MJ, mais c'est le MJ qui dit ça, pour le coup aussi. Donc, je vous laisse continuer, puis après on va reprendre. De toute façon, on va faire une ellipse temporelle. Bon, ouais. On sait que t'aimes pas les fleurs et on peut pas t'offrir de flingue. Tu voudrais quoi alors? Qui t'a dit que j'aime pas les fleurs? Oh, je suis pas une chèvre, mais... Oh, la faute grave! Je croyais que les fleurs, moi, tu t'entraînais dessus pour les dégommer au tir, quoi, donc... Non, c'est du carton, ça. C'est super moche d'avoir des clichés comme ça sur tes collègues. Quoi, que Lee n'aime pas les fleurs, c'est super. Y'a que moi qui le trouve épuisant aujourd'hui, lui. Pas que, mais... Ouais. Non, mais bon, ça va une dernière question. Oui. Vu que t'as quand même failli passer l'arme à gauche, est-ce que t'as vu la lumière au bout du tunnel? Est-ce que t'as aperçu la dame blanche? Non. Ah, c'est que t'étais pas encore prête. Tu devais pas mourir, c'était pour ton jour. Ouais. Lead, aide-moi, hyper pied. Enfin, je sais plus comment lui faire voir que tout ça n'existe pas, quoi. Je t'en supplie. Bah, je sais pas. Peut-être le mettre en mathématiques. Ou à la physique. Les mathématiques sont la clé et la porte qui mène à la Dame Blanche. C'est très bizarre. Ok. Et du coup... comment va Emily? Bah écoute, elle s'assagit, mais... Bah, tu l'as pas revue. Il faudra que tu la voies ce week-end et ça fait partie des trucs qu'on va faire jouer. Mais voilà, mais on va dire que j'ai un doute. Bon, par contre, nous en veut pas, mais on a vraiment un truc sur le feu là, donc. Plein de petits enfants qui risquent de trop cuire sinon. Il est con, mais qu'il est con. Très bon. Allez-y. Donc, a priori, je sais pas ce que font Denis et Clyde. Moi, je voudrais bien voir les deux enfants que j'avais récupérés de chez Nino, savoir si on sait quelle langue ils parlent et si on peut les interroger. Et on verra ça après, parce que là, vous êtes pendant une semaine en vacances. La COPS n'est jamais en vacances. Je suis certain que, de toute façon, tant qu'on n'a pas quitté le service, on n'est pas encore en vacances. Hein, on est toujours en service. Oui, mais là, il s'est passé déjà 3 jours, en fait. Non, on a forcément fait des trucs avant. On n'a pas laissé passer 3 jours en se disant, tu vois, bon, les autres vont liquider la ferme et tout. Non, mais moi, je fais passer quand même 3 jours. Même, c'est pas grave. Je considère que c'est comme d'hab, en fait. Je fais des ellipses, mais je fais pas avancer les enquêtes, même les actions des autres personnages, juste pour gratter du temps sur le calendrier. Parce que là, okay. on est fin novembre. Le prochain scénario, c'est début janvier. Ah d'accord, donc tu veux faire passer Noël, décembre et tout. Alors pas tout, mais il y a plusieurs trucs qu'on va jouer, dont des trucs, mais là déjà... Bon bah tu me diras quand on reprend. Il y a plusieurs trucs, mais déjà on va faire la semaine de vacances. Bon, Lynn, de toute façon sa semaine de vacances, elle va la passer à l'hosto, donc... Eh ben ça me permet de voir plein de gens. Rééducation. Ouais, il y a des gens qui viennent te voir. Ton contact vient te voir t'offrir des fleurs. Lui, il vient offrir des fleurs, lui. On va faire rapidement la semaine de vacances, les trucs les plus importants. Qu'est-ce que vous avez des trucs à faire pendant cette semaine de vacances? Alors, me gratter l'avant-bras. C'est pas toi qui peux le faire.
Max. J'ai vraiment divorce. Bah, a priori, il va te falloir un avocat. Ouais. Ouais. Ou un tueur. J'ai pas envie de l'avocat ripou de. Pourtant, il travaille très bien. Hein. Bon, il est un peu cher, mais il travaille très bien. Dans la liste des contacts, j'ai mis des avocats qui sont pas des crapules. Mais arrêtez de dire que c'est une crapule. Si, c'est une crapule. Tu commences à avoir un sérieux problème avec la vérité, c'est légèrement inquiétant pour un officier de police quand même. Po, Max, la vérité, si je mens, c'est pas une crapule. T'as enquêté sur ce qu'il fait le père d'Emily là en ce moment? Non, pas encore, c'est un truc. T'as vérifié si t'es pas obligé de vendre de la drogue ou un truc comme ça pour l'avocat que t'as supposément embauché pour le libérer? Ou What? Alors, le supposément, c'est pas un supposément, il l'a vraiment embauché pour le libérer. Voilà, c'est ça. Mais moi, si tu retrouves le père d'Emily avec deux reins en moins dans un motel miteux près de la frontière avec le Mexique, ça m'étonnera pas. Hein. Mais, ça tombe bien, Lynn a perdu un rein. Donc tu devrais m'être reconnaissant, en fait. Bon, bref. Bon. Quand je fais des reconnaissances, en général, les gens en face, ils sont pas contents. Très étrange. Sinon, une fois que je... Enfin, donc, ouais, je vais contacter un des avocats que Lynn propose. Et... Allô, la fiche? J'ai perdu ma fiche. Et je vais m'occuper de mon fils aussi quand je peux. Enfin, j'ai essayé de le voir, tout ça, avoir de ses nouvelles, de voir ce qu'il vient, comment il va, tout ça. Et bah, c'est simple, ta femme refuse que tu le vois, t'es trop dangereux. Bah, écoute, je rajoute ça. Et tu sais aussi qu'elle t'a pas donné sa nouvelle adresse. Bah, écoute, ça va être on va finir en Kramer contre Kramer, y a pas de problème, si elle veut jouer à ça. Maintenant, tu veux cramer ton fils aussi? Elle a peut-être pas encore eu le temps de la changer d'école, tu sais encore quelle est son école, et donc tu peux essayer de le voir et soutirer l'information de la part de ton fils. Hein. À moins qu'il ne veuille pas te voir, puis s'il s'est fait tabasser. Moi j'ai couché avec une fille dont le père travaillait à l'Hydra, je peux avoir une info peut-être. Ouais, la fille morte, c'est ça? Oui. Ouais, non, c'est pas sûr de vouloir jouer cette carte? J'ai comme un doute. Pareil, le MJ aussi. Bah, mais a priori, tu sais où travaille ta femme, donc tu te pointes là-bas, t'attends, et puis tu la suis. Hein. Ouais, oui, c'est pas bête. Mais avant d'en arriver là, on va rester dans le truc pas creepy, tu vois. Bon. On va essayer d'agir. Est-ce que c'est creepy l'amour d'un père envers son fils? Je sais pas. Non, mais le stalking, ça reste quand même pas très légal. Fais quoi? Fais quoi? Bah, du coup, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir l'adresse par mon fils pour essayer de lui parler, voir si elle est toujours à l'école. Donc, tu fais comment pour contacter ton fils? L'école. Bah, l'école, si, je sais pas s'il y a cours en ce moment ou pas. En fait. Ouais, il y a des cours. Donc, de toute façon, t'es en vacances donc pendant une semaine, donc ouais. Tu vas et tu le trouves à la sortie des cours, sachant qu'il est a priori une nounou qui vient le chercher. Ok, bah, moi je demande simplement à lui parler deux minutes, voir comment il va. Mmh. Et, Alors, la nounou non, est. La récréation, on parle lui au travers de la grille, oh là là. Alors, non, ça c'est un coup flics, que. En fait. Ouais, c'est ça, pour le coup, c'est un coup que ça soit l'école qui appelle les flics. Les Américains jouent pas trop là-dessus. Enfin, le Canadien. Enfin, donc ouais, tu essaies de convaincre la nounou de parler à ton fils? Oui, bah oui. Tu fais un petit jet de social. Charme rhétorique. Charme éloquence, sinon, c'est plutôt. Ouais, alors je vais être honnête. Ou les éducation deux rhétorique. Les deux jets sont identiques en fait. Lance tes jets alors. Eh bien, sérieux, je peux pas faire plus que deux. Attends, ah bah si, quand ça sert à rien, je peux faire plus que deux. Là, c'est raté. Sauf si tu craques un point d'ancienneté. Ouais. Allez, c'est ton fils, tu vas craquer un point d'ancienneté pour ton c'est fils. Mon fils, ma bataille. Ok, ouais. elle te laisse parler avec ton fils. Pas longtemps. Ton fils a encore quelques bandages en fait sur le visage. Ça fait déjà un mois. Bah, en même temps, vu ce qu'il a morflé, c'est pas étonnant. Mais... Ah ouais, t'as perdu tes dents de nez? Ah, c'est pas tes dents de nez que t'as perdu? Ok, d'accord. Quel enfoiré, celui-là.
Bah, du coup, ouais, je discute avec lui, je lui demande comment il va, je lui demande comment ça se passe. Je lui dis que je l'oublie pas, que je fais ce que je peux, mais que du coup, j'essaie de le Ok, voir. je vais le faire autrement, monsieur Choua, parce que je pense que tu ne. Ça ne passe pas du tout comme ça. Tu commences à lui parler, il te saute dans tes bras. Parce que je voulais pas le forcer, tu vois. Mais oui, du coup, j'ai fait un gros câlin, tu vois. Enfin, je me pose même pas de Voilà. questions. Il me saute dans mes bras. Il te dit que maman, elle est très énervée. Oui, je lui dis que je suis désolé que maman soit énervée. Je suis Et il désolé te que demande votre si t'as client, il tué a su. ces enfoirés de connards. Alors, lui D'habitude, a je te vu dirais qu'il des faut pas joies, parler comme Morane. Et ça, mais il y en a plein qui sont morts. il demande si c'est toi qui les as tués. C'est Tataline qui les a tués. Moi, j'ai essayé de les tuer, mais je me suis pris des balles dans le ventre. Il a fait de l'informatique, il a fait du point and click. Lui, il Non. pointait et Lynn, elle cliquait. Non, mais en même temps, j'étais dans un sale état quand. Et je vais retrouver ceux qu'on a ratés. Maman, elle a dit qu'il faut qu'on t'éménage à San Francisco. Ouais, mais tu es mon fils et il est hors de question que je te perde de vue. Donc maman, elle a dit que, Elle mais... te, il te, il te donne son numéro de téléphone de son nouveau téléphone. Bah, je le remercie. Je lui dis que je l'appellerai et que je pense à lui très fort et que je suis content qu'il T'es m'en bien ait vu. conscient que vu son âge, il a une chance sur deux de se faire surprendre par sa mère et que ça va pas t'aider. Bah, c'est pas dit non. Ils sont pas si stupides que ça, à cet âge-là. Pas complètement si stupide que ça. Non mais Après, c'est pas grave. Non mais ok. Mais en tout cas, il est très content de te voir et il te dit comme ça, bah on pourra au moins se parler ou s'envoyer des messages. Il n'y a même pas un smartphone pour faire des facepalm. Et en gros, bon, il s'en va. Et le premier SMS que tu reçois, c'est l'adresse où il habite. C'est un bon petit. Ah putain, ton ex-femme tombe sur ça, mais t'es mort. Bah non, non, elle a pas le droit de m'empêcher de voir mon fils. Actuellement, non, elle n'a pas le droit. Elle a aucun droit de m'empêcher de voir mon fils. Là, techniquement, c'est elle qui est en tort. En fait, exactement, c'est Vu ni le l'un ni con. l'autre dans le sens où réellement tu mets la vie de ton fils en danger et que la seule personne qui pourra décider, c'est un tribunal. Tout à fait. Alors, je mets la vie de mon fils en danger. C'est faux. Mon métier met la vie de mon fils en danger. T'as C'est pas plus juste. démissionné toujours. Oui, j'ai démissionné du Démissionné COPS. Non, parce que c'est pas mes actions et c'est Oui, pas c'est moi pas. Mais personnellement qui mets la vie de mon fils en danger. ça reste qu'elle est en danger en fait. Et puis après, Ouais, elle est en derrière, danger, elle est en danger. tu peux jouer sur la sémantique, ça reste que ça va être un jury qui va décider. Ou Oui. ça va être un accord avec ta femme. Mais dans tous les Je cas, pense qu'on si va tu veux demander que au jury, ça sera moins partiel. Bah, ça dépend en fait, si tu peux réfléchir toi à un accord qui peut satisfaire ta femme. Ta femme, tout ce qu'elle veut, c'est que ton fils soit pas en danger, en fait. Donc si tu peux trouver un accord qui satisfasse ça, et qui te satisfasse toi aussi sur ce que tu as envie, c'est-à-dire voir ton fils, il y a carrément moyen, en fait. Et justement, si je te dis ça, c'est pour que tu puisses réfléchir à la chose. Je dis pas que ça va être simple à trouver, hein. Mais peut-être que si, peut-être que pas. Et tu peux demander aussi à tes collègues de l'aide sur ça. Mais voilà. Donc je passe à une personne. Oui, vas-y. Ok. Denis. Tu me dis si je me trompe, mais tu vas passer une bonne partie de ta semaine à visiter les apparts et à trouver celui qu'il te fallait. Oui, je pense que on va faire ça. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, tu as déménagé, on va dire. C'est un peu rapide, mais comme on avait déjà fait les calculs, les machins, Oui. etc., en gros, si tu Bah profites de cette semaine pour déménager. et de toute façon, on avait déjà fait des visites Ouais. avant, donc Donc clairement, c'est voilà. ta semaine de déménagement, on va dire. Ok. Qui veut dire que tu excuses Lynn de pas être là déjà. Grand J'excuse Lynn silence. de pas être là. Bizarrement, des Non, morceaux j'ai pas cassés, compris la c'est phrase quand en même. fait. Je crois que c'est lié au fait que avec des membres cassés, c'est compliqué de porter des cartons. Bah, je suppose que tu as demandé à tes collègues de te donner un coup de main pour ton déménagement. Ah bah oui, s'ils veulent bien. Et Mais j'ai pas appelé Lynn, hein, normal, oui, non, parce mais c'est que pas bon. ça. C'est que tu l'avais déjà prévenu il y a longtemps. Sauf que bah, vu son état. Bah, si elle veut venir juste pour faire la pop-top girl. Bon.
vu qu'elle est en lit d'hôpital. En roulante, ça va être compliqué. On fait quoi du lit ? Je suis là. On fait quoi du lit ? Elle n'ira pas de râler, Lily, en plus. Il a une arme. Quelqu'un peut dire à Lily de poser son arme. Non, il a... Par drone. Denis, ok, qu'est-ce que tu lui dis à tes collègues ? Avec la perfusion. Voilà. Bon, en gros, vous faites le déménagement. Et tu t'installes dans ton nouvel appart. Tu fais visiter ton nouvel appart à tes collègues. Il est plus grand que l'ancien, bizarrement, a priori, assez grand pour accueillir un couple et son enfant. Et la chambre du dit enfant, elle est rose ou elle est bleue ? Elle est verte. Ah ouais, ça m'étonne pas de Denis, ça. Mais c'est... J'aurais mis orange parce que j'aime bien l'orange. Tu vas adopter un gibon ? Non, moi c'est plus l'orange que je veux. Un peu verte avec des traces d'orange. Non, mais tout ça, il faudra repeindre, de toute façon. Oui. En fait, t'as demandé orange, mais comme elle était peinte par un daltonien, elle te l'a fait verte. J'aime beaucoup. Mais dans tous les cas, toi, tu passes ta semaine à emménager et à inviter de... Et du coup, c'est dans quel quartier ? Même quartier, normalement, si je me trompe pas. C'est ça, hein ? Oui, oui. Il est pas très loin de là où il habitait avant, c'est juste qu'il a changé pour un truc plus grand pour sa famille. Donc il est toujours à Venice Beach. Et pas trop loin de son épicier préféré. Il a une pièce pour le chien, maintenant ? Ouais. C'est ça que j'ai oublié. Non, on va dire que t'en as une. Fais pas chier. Ok. Sinon, il y a la cave. Par contre, il n'y a toujours pas de jardin pour le chien. Il faut le sortir tous les soirs. Et tous les matins. Et tous les midis. On passe à la pièce de résistance. Je ne vois pas qui ça peut être. Juan. Bon, est-ce que l'agent qui fait le contrôle probatoire du papa de Lynn, il m'a recontacté ou pas, en fait ? Ouais. Il te dit que tu pourras le rencontrer le 7 décembre, sachant que tu es en perme, là, du 1er au 7. Ok, d'accord. Je vais m'arranger, ouais, pour faire une semaine de vacances avant Noël avec Emily. Ok. Pour faire un mot d'excuse. Tu poses ta semaine quand ? T'as du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 au 28. Moi, j'aurais fait du 1er au 7. Donc là, la même semaine. Ouais. Ok. Donc elle est avec toi et elle est, elle est pas en vacances en fait. Bah non, mais justement, c'est pour ça que je fais un mot d'excuse. En fait, tu fais ton mot d'excuse et on te dit de venir parce qu'ils comprennent pas c'est quoi le mot d'excuse en fait. Tu mets quoi dans ton mot d'excuse ? Je dis que pour raisons professionnelles et familiales, en fait, j'aimerais que Lynn puisse être dispensée de cours, d'être là le jour à tel moment. Emily. Chut, je voulais troller, putain. Et là, je voulais répondre avec ton père. En se disant que tu t'es peut-être trompé de numéro de téléphone, mais bon... Dommage, enfoiré. Donc, oui, et j'essaye d'argumenter. Hein. Qui a demandé de l'aide à Max ? Alors, de base, l'école te dit c'est pas dans les habitudes de couper comme ça au milieu de... Enfin, là, comme ça, en fin d'année. Il y a une semaine de vacances sur la semaine du 25, et c'est tout, quoi. Et votre fille est très bien intégrée actuellement. Son programme se poursuit et ça serait vraiment une perte pour nous qu'elle s'en aille maintenant, pour une semaine. Et pour elle. Ce n'est qu'une semaine, je ne demande pas à la faire arrêter tout un trimestre non plus. Et elle n'est pas d'accord. Comment ça, elle n'est pas d'accord ? Surtout qu'à Noël, il y a la grande messe et... Elle va être sacrifiée. Je comprends pas pourquoi je dois sécher. Alors, c'est pas pour sécher, c'est parce que j'ai des vacances, une permission, et ce qui sait si jamais... Tu pouvais pas prendre tes vacances en même temps que les miennes ? Comment dire ça ? Tu sais le métier que je fais, tu sais que c'est dangereux, donc carpe diem, il faut qu'on vive le moment présent. Sachant que, techniquement, il te reste une semaine de vacances à prendre avant la fin de l'année, réellement. Parce que là, c'est ta perme de tout. Ah ouais, c'est la perme là-dessus. Bon, si tu me dis que non, tu veux continuer parce que tu veux rester avec tes copies... Écoute, à la limite, je peux voir pour venir un jour. Alors, dans ce cas-là, on fait ça. Je, je, je,
Tu viens un jour et moi je prendrai une semaine de vacances coïncidant avec tes semaines de vacances. Ok. Deal. Deal. Bon. Ça t'appelles ton supérieur pour savoir si t'as des vacances de dispo sur la semaine du 25, genre 3, 2 semaines avant. Ouais, pas à peu près ça. Ouais, tu sais c'est quoi la réponse. Avec tout ce qui s'est passé, c'est bon. Bah, il te faut un bon jet de bureaucratie. Ça va être de charme bureaucratie, là, pour le coup. Ouais, d'ici là, Lynn, elle hey, moi je dis que ça se tente. Elle peut en prendre des heures, c'est pas grave. Moi je dis que ça se tente. Allez, j'essaye le charme bureaucratie. Vas-y. Hey. Résister au sang-froid de Skripnik. Hein. De Skripnik ou de... Je suis prêt à craquer à un point d'ancienneté. Ouais. Ouais, ça passe. Et tu l'as ta semaine. Je vais rater l'épisode de Noël. Il n'y en aura pas cette semaine sur le truc là. Mais ouais. Bon, en tout cas, je le remercie grandement pour le truc. Et il te donne des places pour aller au Nakatomi Plaza. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Attention, qui que vous soyez, cette fréquence est réservée pour les appels d'urgence. Sans blague, okay. Vous croyez que j'appelle pour un livret de pizza? Pourquoi tu prends une voix très aiguë quand tu fais Bruce Willis? Non, c'est pas trop mal imité. Ouais, c'était pas mal. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, mis à part. Quoi d'autre? Ça me fait un peu chier, cette histoire. Après, tu la vois, ça, tu la vois le 6. Ouais, je la vois le 6. Et le 7. Bah, c'est samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Ça peut encore passer. Donc, tu fais rien, tu vis ta vie tranquillement jusqu'au 6-7, comme ça on le fait rapide ou pas? Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. Donc, le 6, elle arrive en uniforme de l'école. Ça me fait tout drôle à chaque fois de l'avoir en uniforme de l'école. Mais bon. Bah, va un concert d'ACDC tribute. Je lui filerai une rythmique, elle va s'éclater. Et elle te dit merci de m'avoir laissé à l'école cette semaine. C'était important. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait de si important? C'était vous répéter le spectacle de fin d'année? Le sacrifice. Elle te fait quelque chose comme ça. Mais en tout cas, merci de m'avoir mis dans cette école. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça, par contre, je trouve ça flippant. Bah, justement, parle-moi de l'école. Vous faites quoi exactement Bah, elle te dit des maths, de la physique, de l'anglais, de l'espagnol. On apprend des choses sur nous-mêmes. Quel genre de choses Et que je suis quelqu'un amené à faire de grandes choses. Elle est en internat. Donc, ce qu'elle apprend d'elle-même, c'est qu'elle se masturbe, hein, c'est tout. Hein A priori, il n'y a pas que ça, visiblement. Mais c'est... Bon, et ben, déjà, qu'est-ce que tu veux faire, mis à part demain ou. D'abord, prions. Si tu veux. Comme dans les vaches folles. Oh la vache. Tu me fais un petit jet d'éducation, monsieur Juan. Pur. Ouais, pur. Parce que t'as pas éducation-religion, donc... Ouais, je suis hispanique, j'ai d'une famille pratiquante, faut pas déconner. Et alors? Il a vu donc, la vierge, faut pas le... Ouais, ces prières, tu les connais pas, hein, ça te dit rien. Surtout qu'elle est faite en latin. Hein. Mais là, je lui dis que... Mais tu comprends pas le latin. J'allais dire tu connais quelqu'un qui le parle. À la base, hein. C'était de l'araméen, quoi, pas du latin. Donc. Bon, elle te dit, c'est... ah, mais si tu veux, je peux les faire en araméen, et elle te les fait en araméen. T'es vraiment sûr de vouloir la laisser dans cette école? Ça a l'air chelou. Enfin, ce que tu penses être de l'araméen, peut-être qu'elle te bullshit. C'est assez... Écoute, je suis assez impressionné. Il doit y avoir beaucoup d'humains qui parlent araméen, quand même. Oui, je pense aussi. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est... Elle rigole, elle dit, mais t'es con, j'ai fait en grec.
Bon, bref. Elle a pas perdu le sens de l'humour, hein. Même ouais, s'il est très particulier, ça. Mais... Bon, alors, par contre, niveau respect, on peut en reparler, hein, parce que... grosso modo, je lui dis, écoute, c'est... Déjà, est-ce qu'elle a un bulletin? Est-ce qu'elle a des notes? Est-ce qu'elle a des trucs là-dessus? Parce que... Oui. Si, tu veux quoi comme note? Bah, je sais pas. File-moi le bulletin complet, comme ça, je verrai. Attends, bah, je les appelle pour qu'ils l'amènent. T'appelles qui? Bah, à l'école. Et tu les as pas avec toi, t'as pas un carré de correspondance ou un truc comme ça pourquoi faire ou un site web où tu as accès à ça, non? Ouais, où je pourrais voir tes notes en direct. On est en 2031, bordel. Elle te regarde, elle te dit, mais elle te montre l'ordinateur, tu sais comment ça marche? Écoute, tu sais, non, parce que je crois que t'étais cops. Oui, mais tu m'as dit que c'était toujours Max qui t'appelait les rapports. Alors, on va dire que Max. Max se démerde mieux pour bien les tourner, mais c'est pas pour ça que j'ai pas utilisé un ordinateur. La preuve. Bah... C'est moi, ouais. Fais-moi un jet de sang-froid informatique. C'est moi, ouais. Elle te manque complètement de respect, mais sans remords, quoi. Complètement. Hey, c'est réussi. Et tu tombes sur le site donc de l'école, et elle a des A sur toutes les matières. Regarde la liste des matières. Justement, c'est surtout les matières qui m'intéressent. Bah, tu regardes, t'as des matières classiques, t'as des matières des langues mortes. Ouais. A priori, elle a des A partout. T'as une matière qui est spiritualité, elle a aussi un A. Alors, et c'est regarde tout. Le nombre de profs masculins qu'elle a. Hein, elle a, pour le coup, c'est mixte. C'est, regarde c'est le nombre de profs qui s'appellent père machin et de nombre de profs qui s'appellent mère machin. Ils n'ont pas de titre marqué. Et regarde s'ils ont prévu une place à la cantine pour elle après le Noël. Parce que sinon, ils lui ont mis des bonnes notes pour la sacrifier à Noël. Hein. Mais, Bon, mais grosso modo, il y a les trucs classiques. Non, mais c'est surtout que jusque-là, ces notes, c'était plutôt moyenne, voire bof, voire pourri. Hein. Alors, je lui dis que je suis super impressionné quand même. Hein, Elle te regarde, elle te fait un grand sourire. Et elle te serre dans ses bras, elle dit tout ça, c'est grâce à toi. Prélève un cheveu. Ça se trouve, c'est un synthétique, c'est un robot, ils l'ont changé. Non, mais prends un cheveu, on sait jamais, tu sais, pour faire des traces de... Non, mais là, si elle me fait ça foncièrement, moi j'ai les larmes aux yeux, quoi. Ah oui. T'es tellement facilement manipulable, sérieusement. c'est ça, je écoute, c'est pas... Moi, je suis très fier de toi, mais c'est surtout toi, tu peux être fier de toi, quoi. Regarde tout ce que t'as fait en si peu de temps, quoi. Oui, mais elle te dit, si tu m'aurais pas mis dans cette école, jamais j'aurais eu ces notes. Mais ouais, fais lui faire quand même un examen de maths pour histoire de voir si c'est pas du flan quand même, parce que... Ouais, c'est pas con, je vais l'interroger sur l'histoire de la Californie. Genre l'indépendance et tout. Mais l'histoire de la Californie, elle a ça a 20 ans. Okay, écoute, elle connaît Santa Ana et Fort Alamo ou... Écoute, fais-moi un jet d'éducation histoire, monsieur Tlon, et je vais lui faire résister, et elle va faire le sien. Enfoiré. Non, bah attends, ouais. Bon, alors, histoire, y a pas, donc... Elle a fait zéro, vas-y, bas zéro avec ton éducation, c'est zéro, c'est 10. C'est 10, allez, hop. Ok, donc vous êtes tous les deux nuls, en fait. A priori, ça a l'air correspondre à ce que t'as appris. Exactement. Le jour où Ronald McDonald a envahi la Californie. Et que Santa machin lui a botté les fesses. Ok, d'accord, très bien. Bon, donc sérieux, pour fêter ça et pour la félicité de tous ces trucs, etc., je lui dis, c'est toi qui choisis le programme de la journée. On fait ce que tu veux. En termes de prière. Bah, j'aimerais bien, j'ai oublié un truc à l'école, et puis après, tu fais ce que tu veux, je te suis. Bah, pas de soucis, écoute, je t'accompagne, hein. Si on passe par l'école pour récupérer... Tu veux pas l'emmener chez un exorciste? Donc ouais, je vais l'accompagner à l'école pour qu'elle récupère son truc, puis après, on verra bien. Donc, bah, t'arrives à l'école, elle t'a dit, en fait, t'as jamais vu ma chambre, c'est vrai? Bah non, c'est vrai. Donc bah vous rentrez, tu vois qu'il y a des gens, en fait, tout le monde se retourne et regarde, et
bah, en fait, font demi-tour. Et t'as, au bout de d'une petite minute, les couloirs dans l'école sont déserts, en fait. C'est une comédie musicale, ça s'appelle. Hein. Putain de secte, quoi. Ils sont sympas, mais ils m'ont l'air très timides dans ton école. Ah, t'en fais pas, ils sont très gentils. Mmh. Donc, t'arrives dans sa chambre. Sa chambre bah, ressemble beaucoup à la chambre que tu connais chez toi, parce que y a à peu près, c'est à peu près rangé pareil. Tu veux dire que c'est le bordel ? Oui, ouais. C'est le bordel. Il y a un drone dans un coin qui a l'air en bon état. Enfin, elle a l'air de... Ah, de il est là. Je peux demander où il était. Ah non, 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 c'est pas le même, c'en est un autre. Il y a de la poussière ou pas ? Non, il n'y a pas de poussière. Et tu l'as récupéré où, celui-là ? Bah, je l'ai acheté. Elle trafique ses notes, c'est pas possible. C'est pas que j'ai pas confiance, hein, mais quand même. Hein. Mais homme de peu de foi, quoi. Donc, bah, elle prend en fait, elle prend son sac, en fait, et dit c'est bon, on peut y aller. Ok, mais quand on ressort, il y a vraiment personne. Bah, tu vois en fait que de temps en temps, il y a une tête qui sort d'une porte, qui regarde, et qui vous regarde, et puis qui re-rentre. Tu les trouves pas un peu bizarre quand même En fait, ils ont peur d'elle, en fait, peut-être. Gens, ouais. Ils ont peut-être pas peur de toi, ils ont peur d'elle, en fait. Si ça se trouve, elle est terroriste. Elle est devenue la. Elle est devenue dictateur de l'école. Elle est devenue le caïd de l'école, quoi. Et bon, ils te disent, ouais, ils ont un peu peur. Enfin, peur. Ils sont timides. Alors, il y a une différence entre la timidité et la peur, quand même. Mais écoute, je vais pas leur courir après pour leur demander. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux pas lui demander s'ils ont déjà, elle a déjà été à une messe où elle était allongée sur un autel et il y avait des gens en capuche autour? Je pense que ça serait bien comme question. C'est très suspect comme question. Exactement. En capuche pointue ou pas? Bon, donc tu sors de l'école et t'as un homme qui arrive vers vous. Tu reconnais une femme, la directrice de l'école que t'avais déjà rencontrée. Eh ben, je lui dis bonjour en étendant la main. Elle te dit bonjour. Et donc on respecte. Ouais, bonjour. Tout va bien? Tout à fait. Émilie est un ange. Est-ce que j'ai le droit à faire un perception instinct de flic pour voir si elle me ment et hontément ou pas? Alors, ça serait un perception psychologie plutôt. Ouais, je veux bien. Vas-y. Tu peux pas faire un jet de sang-froid pour éviter d'exploser de rire? Ah, écoute, cette personne ne dit pas toute la vérité. Elle a un dossier de... pour blackmailer tout le monde, en fait. Bah écoute, je demande à Emily si elle peut aller mettre son sac dans le coffre de la voiture. Ouais, bah elle y va. Voilà, profitant du fait d'être... Et donc, Emily est un ange. Je suis assez... Donc, quand Emily est un peu plus loin de toi, la nana se rapproche de toi, elle dit, s'il lui arrive quelque chose, je te tue. Ok. Alors, vous savez que vous menacez directement un cops quand même, même si je suis pas en service. Elle dit, de quoi vous parlez? D'accord. Alors. Là, par contre, c'est très bizarre. Demande à Emily si elle connaît ses parents. Soit ses vrais parents. Ou si elle n'a pas été retrouvée à Haïti à un moment par... par des gens... C'est-à-dire que Emily serait l'antéchrist. Non, il fait référence à Ange de Mielet dans ISMB. Putain, j'avais même pas... Ah oui, j'avais pas rappelé. La vache, j'ai pas dû percuter ça non plus. Cela dit, je pourrais dire la même chose pour elle. Hein. Si vous faites du mal, vous allez en baver. Elle te regarde, ça a pas l'air de lui faire peur en fait. Ils disent tous ça. Vous savez, je l'ai eu pendant plusieurs années tout seul. Je crains plus rien maintenant. Mais. Ok, me paraît bizarre quand même cette brave dame. Je vois pas ce qu'il se fait dire ça. Je veux absolument pas. Il en faut quand même beaucoup pour que tu te rendes compte qu'il y a un truc bizarre. C'est assez impressionnant. Comment dire? Bah écoute. Tu reviens à la voiture. T'as Emily qui te saute dans les bras, qui te dit merci. Et elle rentre à l'intérieur. Ok.
Et je regarde en partant, jette un coup d'œil dans le rétroviseur de la directrice bizarroïde. Bah, tu sais, elle fait avec ses mains, c'est le symbole genre je te vois, tu me vois, tu vois. tu vois pas son reflet dans le miroir. Elle reste bien dans l'ombre, elle se met pas au soleil, je ne vois pas son reflet dans le miroir. Ça y est, je comprends mieux. Bah écoute, on va passer la journée avec Émilie, etc. Je prétexterai un truc, c'est-à-dire quand Émilie ira aux toilettes à un moment, n'importe où, au Cinoche ou ailleurs, je passerai un coup de fil, vu que les autres sont aussi là-dedans, à Padré, par exemple, pour demander s'il a des informations éventuellement sur l'école machin et avec la directrice, qui me paraît assez bizarre quand même. Bah, clairement, il te dira qu'il se connaît pas, il n'a pas entendu parler. Bah, si, il pourrait ouais, il est pas allé à l'école, juste sinon. Comme ça. Bah, il te dit que t'as des collègues pour ça. Ils sont en congé pour l'instant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que lui aussi, il est pas en congé, mais il a d'autres enquêtes en fait, et que là, il peut pas. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, pas de soucis, je comprends. Bah, ouais. Déjà, tu peux regarder dans les fichiers du. Je de la police, hein, mais. Ouais, mais il verra ça quand il sera rentré. Voilà, dans tous les cas... Bah, on peut déjà faire une recherche sur Internet. Attends, déjà, je vais juste finir le truc. Après un cinéma, il y a Amy qui dit « Au fait, elle est où, Tataline? On peut aller la voir ?» Tataline, elle a eu un petit souci. On peut aller la voir à l'hôpital? Comment tu sais qu'elle est à l'hôpital? Bah, tu viens de le dire, elle a eu un souci. Cette petite commence à être vachement forte en psychologie. Bah écoute, on passe chez le fleuriste, on prend des fleurs et on va la voir. Elle est morte? Non, mais il paraît qu'elle aime bien les fleurs. Tu m'as toujours dit qu'elle aimait pas les fleurs. Et bah apparemment, il faut croire que Tataïne change, comme beaucoup de personnes. Et bah offre-lui pas des chrysanthèmes. Très bonne réflexion. Je vais prendre des dahlias noirs. Bon, bref, on va aller chercher un bouquet de fleurs et puis on va aller... T'as des agents du FBF qui vont te tuer, tu sais, pour cette réflexion. Voilà. Mais non, il y a des gens qui ont écrit des bouquins comme quoi ils avaient résolu. Oh là là. C'est moche, ça, monsieur. Ouais, ça cause de leur grosse expérience auprès du FBI, hein, j'en suis sûr. Bon. Donc, Lynn, tu vois débarquer dans ta chambre Emily et Juan avec un gros bouquet de dahlias noirs. Ouais. Salut, Lynn. Bonjour, les gens. Des nouvelles. On vient t'offrir des fleurs et Emily voulait aussi avoir des nouvelles. Bah, du coup, je discute avec Emily. Hein. Je remercie pour les fleurs. Tout ça, ouais. Bah, Emily, elle te dit. Tataline, il faut qu'on parle limonade. Ah. J'ai intégré les scouts de mon école et je pense que je peux avoir une vingtaine de scouts pour vendre de la limonade. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pour ça qu'elle a des bonnes notes. Elle est en train de montrer un réseau à l'école. Est-ce que j'ai récupéré mes bras? Oui. Bah, du coup, je prends un papier et puis je commence à noter en fait ce qu'elle me dit, quoi. Et puis, je fais un. C'est le nom du méchant dans Daredevil. J'ai l'impression qu'on est en train de créer son clone. Là. Emily Fisk. Ah voilà, c'est ça. Emily Wilson Fisk. Ouais. Bah, en tout cas, c'est pas un nom de méchant en France, ça. Bah si, regarde, je suis certain que tu fais Emily Wilson Fisk contre Balkany. Balkany danse. Que là, le fisc, on est en train de lui mettre bien comme il faut, hein, mais bon. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça à l'oral. Hein. On va le dire. Bon, allez, on passe un peu aux autres. Ouais, du coup, je parle de ça, mais je lui dis de rester, de parler discrètement quand même, hein, dans la pièce. Bah, oui, non, Amélie. Alors, vous parlez limonade? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, il n'y a pas de truc illégal, hein, vous parlez de limonade. Bah, je la félicite, hein, je dis que c'est très bien, ça permettra de vendre plein de limonades à plein de monde. Ouais. Et du coup, comment ça se passe à ton école?
Écoute, ça se passe super bien et j'ai des super notes. Ouais. Ouais, pour le coup, moi, je l'interroge en mathématiques. Vas-y, oh. Allez, j'ai d'éducation. Ah. Moi, j'ai 7 dans toutes les compétences scientifiques. Hein, donc, ouais, bah, c'est pas son cas, hein, t'es gentil. Hein. Non, mais par rapport à son niveau, tu vois. Vas-y, genre, vas-y, vas-y. Fais ton jet. Hein. Elle a fait 2, là? Ouais. Mais, ah ouais, mais tu l'as fait sous 6, toi. Bah oui. Ah oui, d'accord. Éducation pure, quoi. Bah, tu vois qu'elle s'y bah, connaît. Non, mais toi, tu le fais sous mathématiques. Sous, en gros, tu fais 6 moins 2 pour les 2D, on va dire, pour faire simple. Mais pour le coup, parce que je sais que t'as le bagage, en fait, dans le cas de ton personnage. Bah, après, de toute façon, ça me fait un succès quand même, quoi, en mathématiques, quoi. Bah, dans tous les cas, elle a l'air d'avoir le niveau qu'elle devrait avoir. À son âge. Ok. Ça se trouve, en fait, elle est en train de... Et elle te dit, regarde ces super bouquins de physique quantique. Je tire dessus. Ok, bah très bien. Non, bah, je continue à lui parler, puis c'est tout. Oh, j'essaie, ouais. J'essaie de voir si elle a toujours un peu l'aspect religieux qui est à fond. Bah, tu sens, ouais, qu'il y a... Elle parle de spiritualité, alors tu sens parler d'une religion en particulier, mais ouais, un peu. Il y a un peu de ça, ouais. Un peu comme Rohan quand il parle de religion, en fait. Il y a un petit côté zélé, en fait. Mais pas pro... Mais pas prêcheur, a priori. Ouais. Mais elle me sort le couplet de est-ce que qu'elle est vouée à de grandes choses, etc. Bah, si Juan t'en a pas parlé et que tu lui poses pas la question, non. Bah, alors... moi j'essaie de discuter, mais après, si tu penses que ça pop pas dans la conversation. Bah, elle te dit que ouais, elle va sûrement devenir quelqu'un d'important. Ok, bah, est-ce qu'elle a choisi quel métier elle voudrait faire après l'école, quoi, après l'éducation, quoi. On sera adulte. Elle hésite encore. Mais ah. Il paraît que politicien, ça paye bien. Ah oui, c'est sûr. Hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lui dire qu'elle était dans la merde, ça? Ah l'enfoiré. Ouais, ça paye bien. Ouais. Mais alors fais gaffe parce qu'il y a que des ripoux quand même. Hein. Il y a que des salopards. Hein. Et là, elle te regarde et elle dit en rigolant, comme dans la police. Ouais, il y en a, c'est sûr, il y en a, mais bon, je pense qu'il y a plus de politiciens qui sont des crevards que des flics quand même, mais à part ceux du SAD. Le SAD, ils sont tous très bien, voilà, ils sont tous gentils, tout très bien. Je les connais pas, si ça se trouve, ça sera la prochaine mairesse en 2040. C'est possible. Non, mais du coup, bah, pourquoi pas. Et c'est quoi l'autre avec quoi l'autre truc que tu hésites? D'abord politicien? Eh, te regarde en rigolant. Parrain de la mafia. Parce que ça paye bien. Ah ouais. Non, mais je déconne. Mais tu voudrais pas te lancer... Bah, t'aimais les drones avant. Pourquoi tu voudrais pas faire dans l'aéronautique ou un truc comme ça? Non, mais j'ai regardé, mais pour aller sur Mars, mais ça a l'air compliqué. T'es pas toujours un peu jeune pour aller sur Mars là, tout de suite? Mais c'est pas pour aller tout de suite, ils demandent dans le futur, c'est comme bête politique, c'est pas pour tout de suite, là. Bah oui. On peut faire Greta, hein. Bon, dans tous les cas, vous passez avec Ron une bonne journée, et on va passer directement 2 semaines plus tard. Je vais pas avancer sur l'enquête au moment où Lynn sort de trucs, histoire que tout le monde puisse jouer. Oui, pas tout ça. Dans les choses qui se sont passées. Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a une équipe qui s'est formée au sein du COPS. Je vous les mets en chat. C'est formé sur quoi? Le football. Non, une équipe de partenaires. Ouh. Donc, Catalina Jones et Kwang Fung Fung Fung, là. Zuan Ki Kwa Fu. C'est des nouveaux du COPS, en plus. Donc, de mémoire, je suis en train de chercher Catalina Jones et Cheyenne, qui était pour le coup déjà... qui a été formée par Cortez et Farley. C'est une jeune native qui a eu un des... Alors, je le dis, hein, cette jeune native a eu probablement le début de carrière les plus durs et le plus éprouvant qui soit.
C'est parce qu'elle pense que Guillermo est mort. Non, parce que son premier partenaire est mort après quelques jours après son arrivée au COPS. Ok, d'accord, j'ai rien dit. C'est pas l'autre qui s'est fait plomber sa bagnole le premier jour ? Non, c'est pas lui, c'est encore quelqu'un d'autre. Elle a enquêté sur l'affaire Tauki, ce qui a été une année difficile. Elle a dû faire face à la disparition donc de Lavina, qu'on est déjà au courant qu'elle a disparu, ainsi que la mort de Domingo Cortez, qui était à chaque fois en fait ses partenaires quand même. Hein. Ça fait deux partenaires qui meurent. Sinon, enfin, disparaître et mort. Sur donc, la copse tueuse de collègues, plutôt que nous emmerder nous. C'est et pas chez donc... qu'on va l'appeler. Hein. C'est porte-poids, ça. Il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. On va l'appeler H-Kumun. Donc, Lavina The Brain donc, qui avait disparu. Et donc, actuellement, elle fait équipe avec Zan Yinkafu. C'est quoi son surnom, lui ? Elle. Elle. Je suis en train de retrouver. C'est la nana en latex dans le bouquin, non ? Ouais, c'est la nana. Ils se sont servis de ce truc-là. Avatar, ouais. Cet avatar qui est arrivé le lendemain de la disparition de Brain. Et qui est, son pseudo, c'est Diams. Diams. Qui a fait équipe un moment avec Desperado. Et à la mort de Cortez, elle a été associée à Cheyenne. Donc voilà. Et elle a un surnom, Juan ? Bah, Cheyenne. Juan, c'est Diam. Diam. Diam, Diam. Diam. Diam et Cheyenne. Ouais. C'est ça. Diam. Ok. Et durant le moment où t'étais pas là, il y a une nouvelle qui est arrivée au COPS, qui est Melody Williams, dit Diva. Moi, j'aurais dit Melody Nelson, ça aurait été plus cool. Melody Williams, je vais le marquer. Elle chante ? Et... Non. Je vais vérifier, attends, parce que... Avec un pseudo pareil, ouais. C'est le genre de pas Je vais regarder pourquoi le pseudo aussi s'est marqué. Une seconde. Donc c'est une ancienne de la protection de l'enfant. Bref, c'est une bonne poire, William. Je propose qu'on la... je propose qu'on l'appelle Bonheur, parce que c'est la mélodie du bonheur. Non, c'est parce que c'est la petite fille du compositeur John Williams. Ah, d'accord. Ah ouais, carrément. Putain. Ah oui, bah du coup c'était dans sa propriété que vous avez enquêté sur une des ânes qui s'enculaient là. Quoi ? Putain. Le monde est petit, tout se recoupe. C'est... Ah mais ça fait partie de ton grand-père, enfin surtout ces ânes. Pardon. On va dire que je me souviens de ces. Mais bon bref. Du coup il y a un S, hein, si c'est la petite fille du compositeur. Mais... Ouais ouais, il y a un S, en effet. Bah hop, on va refaire, hop. Du coup, quand chaque fois qu'on rentre, c'est... boum, 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 boum. Je vérifie les cops, s'il y a d'autres cops qui sont là pour le reste. Donc, on va juste faire un petit tour. Donc, Proc, bon, on connaît. Bun, de toute façon... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup Samuel Romulus Junior, Bun, le spécialiste en infiltration, qu'on a vu quelques fois. On a Daniel Webster, dit Bad Luck. Enfin, Bad Luck Webster. C'est quoi ? C'est... Il intègre le corps son premier jour de service, il voit Proc se faire descendre par Gardner devant ses yeux. Quelque part, l'avantage, c'est que dans le mois à venir, personne ne va plus le traiter de bleu. Tu m'étonnes. Après, on a Khan, donc la spécialiste du hacking. Je regarde s'ils disent avec qui... pour vous dire avec qui... Il est avec qui ? Ouais. Bon tuyau, ça me dit pas. Padre. Ok, Padre, ils disent... Bon, Padre, il reste surtout au central avec Skripnik. Il aide surtout Skripnik et il sert de médiateur. Ouais, c'est un HQ, quoi. Ouais, après on a Baron qu'on connaît déjà. Spécialité vaudou à base de pâtes de poulet. Baron, lui, il entend très bien ce que j'ai à dire. Hein. On a Omerta. Tac, tac, tac. Qu'on a Vinili Bonacelli Omerta. Qui a récupéré en partie votre affaire. Qui est parti en fait aider les mecs de la. De la financière avec votre affaire, en fait.
Celle que vous avez fait la dernière fois pour donner les éléments que vous lui avez donné. Ouais, ouais, sur le sur, a priori, son, ouais, son, il est plutôt spécialisé, de ce que je suis en train de dire rapidement. Au vu de tout ce qui lui est arrivé les années, il est plutôt retourné sur de la financière, sur les affaires financières. Bon, on a Odol, on connaît déjà. On a Little Man qui a rebarré Odol. Pitbull, toc toc toc, connu pour ses méthodes plus jamais, son franc-parler. Majoritairement, ouais. Little Man, elle est toujours en prison. Mais non, non, elle est revenue là, la dernière fois. Ou alors elle va revenir dans les jours qui viennent. Mais si je ne vous l'ai pas dit, elle n'est pas encore revenue et c'est dans quelques jours. Mais je vérifierai. Je ne sais plus, parce que comme j'ai avancé dans l'histoire, je ne sais plus si elle est revenue. Chacun revient au bout d'un moment, je suis en train de regarder. C'est parce que c'est. Soit parce pas loin. Parce que Little Man Cheyenne, ça va être sympa, ça. Dans tous les cas, qui font des symboles partout. Pitbull, actuellement, il aide beaucoup tout ce qui est comment s'appelle le Nadif qui s'occupe en fait des narcos. Donc c'est juste pour vous donner leurs affectations la plupart du temps. Après, on a Naomi Matsuda Dioya et Hugo Sanchez di Quetzal. Un des rares couples officiels du COP. Ouais, bon, c'est des problèmes de couple et parce qu'ils sont affectés à d'autres. C'est pas, ils sont pas en duo dans le COP, ça provoque des jalousies. Enfin, il y a des vieilles rivalités de merde. C'est un peu bizarre. Après, on a Matthews McDill dit Shark. Lavina Farley dit Brain. Bon, qui. Il y a un peu aviné. Bah, c'est surtout qu'elle a disparu. C'est elle qui a disparu. On a Domingo Cortez di Desperado, bah, qui est. Voilà, c'est les cops. Je suis en train de vérifier. Ah non, ça c'est. Attends. Ah non, ça c'est printemps. Donc, oui, voilà. Oui, mais attends, on a dit. Attends, je reviens. Donc, ouais, Douglas Pitbull, Oya, Quetzal, Shark, Diva. Donc, on a. On a un autre personnage qui va arriver plus tard, qui est une ex-soldate engagée en Colombie. On verra ça plus tard. On a Cheyenne, Diam. Oh, tu rends des du rêve là quand même. Ah ouais, Desperado, Brain. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Bah, c'est surtout en fait pour vous donner en fait les deux nouveaux, c'est surtout Diva, Cheyenne et Diam, qui sont les trois nouvelles cops. Mm. Surtout, l'autre arrivera plus tard, je et pense. Et que des nanas. Ouais, et dans tous les cas, ce qu'on sait pour Diva, parce que c'est surtout une ancienne qui enquête sur les crimes sur les enfants, en fait, sur tout ce qui est enfance, etc. Et la protection de l'enfance. Donc il y a de fortes chances qu'elle s'entende bien peut-être avec Juan. Il y a des chances. Mais Juan, il couche déjà avec une meuf de. Ouais, je sais. Qui ne travaille pas à l'anti-gang. Alors, le 9 décembre, il y a le procès des enfants de Viva la Fiancia, là. Ouais. les parents rejettent et les enfants rejettent leurs fautes. Ouais. Bah, les avocats sont plutôt bons. Tu es appelé à la barre, Juan, pour témoigner. Tu me fais un jet de social, s'il te plaît. Vu que c'était toi qui es en charge en enquête, on est d'accord. Ouais, tout à fait. En quoi Ce que tu veux, tu le fais comme tu veux. Je demande juste. En gros, tu expliques l'enquête, comment ça s'est passé, etc. C'est forcément d'éducation, parce que je vois pas. Que ça... Bah, si c'est éducation, c'est éducation rhétorique. Bah, écoute, éducation rhétorique. Allez, c'est parti. Si c'est aussi clair que tes résumés, ça va être compliqué là. C'est pour ça que j'ai pas demandé de le faire. Je voulais pas y passer des années. Écoute, les deux enfants vont aller en fait en prison pour mineurs. Ils ont pas la même peine tous les deux, mais les deux vont aller en prison pour mineurs. Ouais. Et à la fin, l'avocat, comment ça s'appelle Il y a strictement rien pour le mec qui a balancé l'arme chargée par le colis postal, etc. Parce que. La rigueur sur éducation rhétorique, je dois dire que oui, en effet, ils n'auraient pas dû jouer avec l'arme, etc. Mais que normalement, cette arme n'aurait jamais dû être chargée. Quoi. À la base, c'est ça le problème, hein, c'est pas autre chose. Oui, oui, mais tu remarques un truc, c'est que l'avocat a l'air de
de plus défendre les parents que les enfants. Oh putain, les enfoirés. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir Batman. Le lendemain, Mélodie apporte un carton de soda pour patienter en attendant la réparation de la machine à boisson qui a été défoncée il y a déjà quelques semaines. Excellente initiative. Et le 2 jours plus tard, Mélodie, enfin le 13 décembre, c'est-à-dire le samedi 13 décembre, Mélodie, en fait, vous apprenez en fait, de façon détournée, que Mélodie a accueilli une protégée de la Juve chez elle. Vous savez pas qui, quoi, comment, pourquoi, mais a priori, en fait, elle a récupéré qu'un enfant qui a dû se sauver chez elle. D'accord. Vous attachez pas à elle, elle va mourir. Hein. Alors, non. Pour le coup, j'ai pas. Alors, j'ai rien pour le moment qui me veut dire qu'elle va mourir. Non, mais moi, je donne un coup de coude à Max. Si ça se trouve, c'est ta cousine que tu reconnais pas. Là. Ah, bah voilà. Et on reprend. C'est sûr que c'est pas Emily qui vient de se faire réadopter. Un petit peu juste de la semaine du 15 décembre, quelques jours, histoire de voir sur les enquêtes rapidement, avancer des trucs. Surtout que j'ai quelques annonces à faire. Vous êtes tous en service le 15 décembre donc 2031. Le service, bon, vous voulez faire quelle heure à quelle heure? Je vous dis, hein, ce sont là. 7h. 7h15 ouais. 7h15, okay. C'est pas mal. Donc 7h15, vous allez au roll call habituel et dans la salle, il y a le capitaine Littleman qui est là. On le connaît déjà, lui, c'est le... Elle. C'est la Canadienne. Elle n'était pas revenue du... Elle vient d'arriver. Je lui souhaite un bon retour parmi nous. Je suis pas certain qu'elle va apprécier. Bah, elle te remercie. Aussi, elle ne devrait pas apprécier le choix poli avec elle, tu as fait un... Bah ouais, non, elle pas... Bah, je sais pas, ça, la dernière fois qu'elle est venue ici, ça s'est pas super bien passé pour elle. Ouais, il y a deux petites choses que je voudrais préciser. Pendant ma semaine de... On t'a redonné hein, l'enquête qui était terminée. Hein. Mais ouais, je me doute, j'espère bien. j'aurais travaillé ma légende, entre guillemets, quoi, pour mon opération russe. Quoi. Ça me va, pas de soucis. Voilà. T'avais le temps, t'avais un ordinateur et temps. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, ils font le tour rapide des enquêtes. Et arrivé à Lynn... comment ça s'appelle, Skripnik fait Lynn, il y a un officier de la crime qui veut te parler. Il aurait des informations intéressantes pour toi. Va voir ce qu'il en est exactement. Mais de ce que j'ai compris, ça pourrait t'intéresser. Du crime organisé, exactement. Ok. J'ai provoqué à la ferme. Si ça se trouve, c'est Jou. Non, c'est pas Jou. Ok. Est dans le crime organisé, elle. À la limite, ouais, vas-y, ça peut être elle, c'est pas gênant, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je suis au courant de tous ces secrets. C'est louche. T'as posé tes micros chez moi. Non, mais comme j'ai discuté avec elle, tu vois. Non, mais non, c'est elle. Non, pour le coup, c'est plus logique. Voilà. C'est même plus logique. Ouais, ça va être elle. Il te dit d'aller voir l'officier. Bon, bah, en question, joue Charisma Fox. Qu'elle aurait des informations intéressantes, qu'elle les a données en fait au service la semaine dernière, mais que Skripnik pense que c'est toi que ça va intéresser. Très bien, je vous remercie de l'information. Des possibilités que possible. Et après, il te pourrit la gueule. Oh, ça... Il te pourrit sur le fait de sur tes procédures d'engagement, sur le fait que tu dis pas tout, et que la prochaine fois, il te couvrira pas plus qu'il l'a... Pas plus. J'ai demandé pour mon cours. Mais lui il couvre en partie ses trucs. Mais dans tous les cas, la prochaine fois que tu fais une opération comme ça, il aimerait être au courant. Même si c'est pour rendre service à un. Rendre service à un indique, t'es en train de mener une enquête. Ouais, mon cul. C'est ce qu'il te répond, moi. Donc, et mon cul, c'est du poulet. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez disposer tous. Et n'oubliez pas de faire vos heures de patrouille, particulièrement ceux qui sont restés une semaine en arrêt. Donc, je vais voir Charisma Fox. Ouais. Bah écoute, elle te demande si tu vas bien. Ça va. Parce que Juan m'a dit que t'étais à l'hôpital. Une broutille.
3 fois rien. Et si j'appuie là ça... Et du coup, avec Juan, ça va bien? Bah, il m'appelle pas beaucoup, mais ça va bien. Je vais remédier à ça. Et puis, la plupart du temps, et surtout, à me dire sa fille, c'est... elle est gentille, sa fille, mais j'ai toujours pas vu, en fait. Elle n'existe pas, c'est une autre hallucination. Oui. En fait, depuis le début, il y a eu... Non mais, il faut que tu comprennes que Juan voit beaucoup de femmes qui n'existent pas en fait. Hein. Ouais, j'ai entendu parler de la Dame Blanche. Ah non mais ok, très bien, je lui ferai part de façon détournée évidemment pour qu'il comprenne, mais... Oh, tu me le permets évidemment, je voudrais pas m'utiliser dans votre couple. Hein, je... Oh, ce foutage de gueule. Comment dire? C'est trop tard. Bienvenue à Free Cops. Bon. Ouais, donc... alors, ouais, tout à fait. En gros, ouais, on m'a contacté pour une affaire de chantage. Et j'enquêtais, et ça m'a rappelé un truc que son cousin avait parlé, et il m'a dit de te contacter. Et en gros, elle te donne le nom, alors, le nom d'une personne qui s'appelle Jack Plummer. Alors, je vais le marquer. Hein. Ok. Hop. Le gars a été contacté, nous a contacté. Pour nous dire que c'est un avocat. Il est venu nous voir et il nous a dit que il représentait plusieurs clients qui étaient menacés. Attends, j'arrive pas à trouver le mot. j'ai envie de dire blackmailé, mais je retrouve plus le mot. Chantage, voilà, ouais, chantage. À qui on fait pression sous forme d'un chantage. L'avocat en question n'est pas foutu de me donner le nom des gens. Tout ce que je sais, c'est qu'il représenterait des gens qui seraient membres d'une association pro-blanc. Et de ma petite enquête, j'ai pu voir que le mec est lié plus ou moins au Ku Klux Klan. Et qu'a priori, on ferait chanter certains de ses membres. Et on m'a dit de venir te voir avec ça. Quand j'en ai parlé à mon cousin, bah, il m'a dit va voir. Salut. Voilà. D'accord, je comprends. Denis, fais chauffer le confa. Ok. Comment il le fait chauffer? Tu veux pas le savoir. Jack Plummer, tu dis, l'avocat. Très bien. Donc, il est là pour représenter des victimes. Tu l'as auditionné déjà, enfin tu. Ouais, mais le problème c'est qu'il veut rien dire, et il est vague et clairement j'arrive rien à en tirer. Donc si tu veux, je te laisse l'enquête. Ok, je prends. Voilà, c'est tout. Après, bon bah, te donne les quelques trucs à la réunie. En gros, a priori, ouais, le mec, la plupart de ses clients sont des gens en fait plutôt pro race blanche, enfin le mec est clairement, ouais, je politisé, sais pas, l'avocat. Il a marqué comment les clients ont été contactés en fait, au moins par par mail ou par Le truc c'est qu'elle peut pas enquêter sur un avocat comme ça non plus. Elle a pas le droit de demander des rapports sur l'avocat, des trucs comme ça. En gros, c'est des filatures surtout et des photos qu'elle a prises. Non mais je veux dire, l'avocat quand il est venu se plaindre, ah, il a rien donné en fait, et c'est ça qui l'a saoulé, c'est qu'elle peut rien faire avec cette enquête. Parce qu'elle elle sait pas qui, quoi, comment. Le mec est venu représenter des intérêts en disant qu'il faut enquêter parce qu'il y a des gens haut placés qui se font truc, et il a pas donné de nom. Et après, dans son rapport, c'est marqué que l'avocat est un con. D'accord. Parce que en gros, il faut réussir à... Elle, son point de vue, c'est qu'il faut faire pression sur l'avocat d'une façon ou d'une autre. Enfin, le truc, c'est qu'il veut pas parler à elle, et et quand tu lis les rapports d'audition de l'avocat, l'avocat, en fait, lui dit qu'il veut une autre personne sur l'enquête, en fait. Et que, bah, pour le coup, le capitaine a refusé, parce que, bah non, il n'y a pas de raison. Mmh. Et donc, si tu lui décharges de cette enquête, elle t'en serait reconnaissante. Ouais. Ouais. Allez, je vais prendre. Voilà. Mais en échange, si tu veux rendre un petit service. Qu'est-ce que t'as besoin? Fais gaffe à ce que tu vas dire. T'es pas là, c'est dommage. Hein. Bah, pas grand-chose, mais disons...
disons, peut-être... je sais qu'il a posé des congés la semaine prochaine. Juan, du coup... Il m'en a pas parlé. Je te le dis. Peut-être que par hasard, si tu prenais des congés à ce moment-là, tu pourrais te retrouver... Oui, mais c'est quoi le service que t'as besoin? Non, mais c'est juste ça. C'est juste qu'il faut que tu... Je voudrais que tu passes du temps avec, avec Juan pour égayer sa vie, parce que le pauvre... te regarde un peu bizarrement, en fait. Non, mais c'est juste ça. Ouais. Moi, tu sais, je ne pense qu'au bien-être de mes coéquipiers. Un coéquipier... heureux est un coéquipier qui aura envie de se sacrifier pour me sauver la vie, donc... Alors là, te regarde, elle te dit... Ouais, c'est sûr que tu veux que je répète ça à Juan? Oh putain... c'est soit ça, soit c'est un bon coup, quoi. C'est juste horrible. Bon, en tous les cas, elle te remercie pour ça, pas pour le conseil. Hein. Non, mais Et Juan, tu reçois un SMS comme quoi de te méfier de Lynn et de faire gaffe à ta vie de la part du charisme. C'était de l'humour, elle a de l'humour quand même, Charisma. Elle a de l'humour, mais elle est aussi, elle sait aussi que vous êtes flic. Ouais, Céline, elle a un humour bizarre. Au fait, tu fais quoi la semaine prochaine? Bah, elle te dit que normalement elle travaille, mais qu'elle va voir pour prendre une semaine de vacances, vu que tu l'as pas prévenu que tu avais une semaine de vacances. Excuse-moi, plein de choses à faire, mais t'inquiète, si on peut justement... Peut-être qu'un jour je pourrais rencontrer ta soi-disant fille. Enfin, elle dit pas soi-disant, c'est moi qui rajoute. Elle met des guillemets autour du mot, c'est pire. Pourquoi mais pas, du coup, quand je remonte, je te le dis. Je te passe un mini savon, Juan, comme quoi il faut que tu encourages la relation, tu vois, l'entretiennes. La... Moi, on va virer son surnom de Headshot, mais on va le mettre Mythique, hein, carrément. Ça y va vachement mieux, Ali. Okay. Mais Mythique Headshot, hein, ça me va aussi. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Mythique Headshot, quand la balle rencontre le crâne qu'il faut. À deux lettres près, ça peut faire la batte. Bon, qu'est-ce que vous faites? Sachant qu'en gros, ça va résumer l'action de la semaine, hein, pour le coup. Hein. J'ai demandé où ils en sont sur la fameuse ferme aux enfants. Bah tiens, c'est ton dossier. Ouais, d'accord. Ouais, bah dans ce cas-là... J'appelle mon contact. Ok. Pour lui dire, hey Coco, t'aurais pas entendu parler de trois gugus... Bax. Crisp qui aurait fait des conneries. Bah tu décris les mecs que les autres cherchent. Ouais. Bah écoute, 100$ plus tard, t'as l'info. T'as deux adresses où ils peuvent se planquer. Ok, pas de soucis. Denis ? Pas Denis. Oui. Juan ? Oui, yeah. Max. Ou Max, vous me devez 100$. Juan ! Ah, c'est bon, il t'a dit en premier. Il dit que tu lui dois 100$. T'as répondu en premier. T'as répondu en premier. On va être simple. Il faut établir la règle, parce que si on commence à utiliser les contacts des autres, est-ce que chacun paye ses contacts pour les infos des autres, ou est-ce que chacun paye l'info du contact de l'autre en fonction de son enquête, hein? Parce que... Je sais pas, moi, un contact, moi, j'aurais c'est tendance quand même à dire de la que famille, dans cette histoire, je vais me faire plumer, tu vois, si on utilise un certain... Tu vas te faire plumer. Il te reste plus par jour qu'il me reste à la fin du mois. Oui, mais... Oui, mais vous utilisez jamais vos contacts. Alors, du coup, c'est toujours les miens qui marchent. Donc. Alors non. Non, alors de toute façon, ça. Non, mais on va pas argumenter. C'est choisir une règle, de toute façon. Oui, ça oui. Moi, je serais partant pour le pollueur-payeur. Donc, du coup, vous avez besoin de l'info, vous la payez. Et puis voilà. Après, c'est moi qui m'occupe de payer. Mais il faut recontextualiser le coût du contact. Tu vois, on peut pas déboulonner tous les contacts comme ça. Il faut contextualiser le coût du contact. Non, je suis assez d'accord avec Lynn en fait. Hein. Tu utilises un contact, tu payes quoi. Même s'il est entretenu par quelqu'un d'autre. C'est rigolo, c'est deux blindés de thunes qui se plaignent de devoir payer quoi. Alors, ils se plaignent pas de payer.
Et dans le cas de Juan, c'est lui qui paye le plus de contacts par mois actuellement. Bah ouais, mais moi je peux pas payer plus, donc... Oui, mais justement, il les paye par mois. En même temps, là, c'est pas moi qui suis mis dans une situation de divorce où ça te coûte les yeux de la tête, hein, mais bon. Bah, pour le moment, c'est pas le cas. Justement, ça va bientôt arriver. Non, alors je t'explique. J'étais déjà à la limite de la dette à la fin du mois, avant le divorce. Ah bah c'est bon, tu donnes des billes à l'avocat de ta femme pour être contre toi. Bah non, c'est pas ça qu'elle me reproche. Mais t'inquiète, elle va tout te reprocher si elle a un bon avocat. Ah oui, c'est genre... Oui, d'ailleurs, je lui ai donné le nom du mien, parce qu'il est pas mal, en fait. Ah, mais deux jours plus tard, Max a disparu, elle a gagné le procès. Bon, bref. Je pense sérieusement à remplir une demande d'observation médicale sur mon partenaire, ce qui m'inquiète de plus en plus. Son manque de relation avec le monde réel est de plus en plus flippant. Bon, bref, je suis d'accord avec Lynn pour dire que c'est le tu utilises le contact, tu le payes, quoi. Ça me paraît assez logique. Par contre, chacun entretient ses contacts. Oui, bah ok, moi ça me pose pas de problème, hein. C'est juste que... Ok, et Denis ? Je vais devoir faire un emprunt à la banque sur 3 mois, quoi. Pas de problème. Écoute, t'as Lynn pour qui peut servir de banque s'il y a besoin. Elle adore ça, demander de l'argent aux gens. Sinon, tu peux laisser Emily gérer tes affaires, hein. Je suis sacré. Donc, dans l'absolu, tu dois 100 dollars à Lynn pour l'information pour ton enquête. Est-ce que tu lui donnes maintenant ? Attends, il y a quelqu'un qui grise. Ouais. Oui, c'est chez moi, je crois. Ou Chuba, ouais. Non, c'est Chuba, ouais. Ouais. Ah. Il y a un faux contact dans mon micro. En fait. Alors, j'accepte d'être payé en 2050, un de chaque. Hein, Oula. Coupe ton micro, Chuba, le temps de. Oh la vache. Ah, ça te défonce les oreilles. Ouais, c'est bon. Là, c'est mieux ? Ouais. Ouais, c'est nettement mieux. Parfait. Okay. Donc, ouais, Chuba, tu retires 100 dollars ? Oui, pas une seconde, je suis en train de le faire. Ça peut être 50-50, hein. Je suis pas salaud. Hein. Menteur. Bah non, on s'en fout, il aura les 100 dollars dans tous les cas. Je suis prêt à prendre des 50-50, hein. Y a pas de soucis. Non, mais j'ai de quoi te rendre 100 dollars. C'est bon, t'inquiète pas. Voilà. T'es pas obligé de faire ton fier et te retrouver. Si tu veux, je t'invite au resto après. Quoi. En parlant de ça, d'ailleurs, tu penseras à inviter Charisma Fox ? Resto. Ça va, la mère Macrel là, je peux vivre ma vie comme je l'entends aussi. Hein. Oui, mais va pas pourrir le coup que je t'ai arrangé pour des simples conneries de timidité, d'accord ? Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie pour vous unir, hein. Et tu veux que je sorte avec ou tu veux te la faire en fait ? Parce que je comprends plus trop bien là. Non, je veux qu'ensemble vous fassiez des nouveaux atomes, tu vois. Non, elle veut que tu lui fasses un neveu d'adoption de compagnie, en fait, je pense. Non, moi je veux que t'aies une fille et que tu l'appelles Lynn, voilà. Je sais pas ce qui m'effraie le plus dans cette conversation. Oui, moi aussi, justement. T'es sûr que c'est sur moi que tu veux faire un rapport de santé mentale ? Non, mais tu sais que l'avantage des rapports, c'est que tu peux en faire plusieurs. C'est ça que t'as monté ta Oui, alors pas pour vous, en alors, fait, hein, pas d'affilée. T'es, hein. T'es en train de parler et tu vois en fait l'officier du SAD qui t'a interviewé, enfin qui t'a interrogé, Lynn, qui arrive à ton bureau et qui il te dit vous avez une seconde ? Toujours pour un officier du SAD. Ok, donc il t'amène dans une salle, dans la salle d'interrogatoire du COPS d'à côté, enfin juste vide, et te dit alors ça va rester entre nous, mais la prochaine fois que je suis sur une enquête, vous pourrez dire à votre père d'arrêter d'intervenir et de me casser les couilles. Parce que la prochaine fois, c'est lui que je vais mettre au trou. Hein. Ouh, champagne pour tout le monde. Je savais pas qu'il avait pris des initiatives. Ah ben, je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis. D'accord. Écoutez, je suis désolé de qu'il vous ait gêné dans votre travail. Je vais en parler avec lui... Dès que possible. Et qu'il a intérêt aussi de changer ses relations parce que ça va pas lui servir longtemps s'il continue. Menace de mort sur l'officier de police, moi je dis. Légitime défense, tu peux le tuer, tu peux tirer. Vous vous appelez comment déjà ? Il s'en va. Hein. T'as son numéro de badge s'il y a besoin. Oh. D'accord.
Ouais, je toucherai, j'appellerai Papounet un de ces quatre, mais. Mais non, il a rien fait. Raconte-nous ça, Lynn, s'il te plaît, qu'on ait au moins du bon temps. Ouais, le bon temps, tu vas l'avoir avec Charisma, toi, ou Oui, mais non. Putain, je suis prêt à vous fournir une tournée générale en bas, là, au troquet du coin, pour. Non, ça se fête, ça, putain. Bon, du coup, dans l'idée, vous avez trois lieux où vous pouvez choper les gars, c'est ça? Deux, j'en veux du deux. Deux, ok. Ils sont trois, il y a deux lieux. Tous à South Central. Voilà. Donc si vous voulez y aller, il faudra faire une opération un peu musclée, quoi. Oui. Alors, on te demande de demander renfort pour combien de personnes que tu dois attraper? On doit attraper trois crisps qui sont dans... Possiblement ces trois lieux-là. Deux lieux. Bah écoute... Alors ils te disent, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous en... Non mais parce que de demande de renfort avec juste ça, c'est pas assez. Il va falloir me dire ce que t'as besoin et justifier oui, ce besoin. On va compléter. Enfin, on va se renseigner sur les lieux avant de commencer à faire la demande de renfort. Non enfin, c'est toi qui m'as dit que après, tu demandais des renforts, hein, Chouba. C'est pas faux. Je veux dire, moi ça me dérange pas, je préfère que tu te renseignes avant. Non, mais oui, bah, on va s'enseigner avant. Oui. Pendant que tu te renseignes, moi comme ça je peux avancer sur mon enquête sur les enfants bio. On dirait une pub pour un yaourt. Avant j'avais mal au ventre, mais maintenant je mange des enfants bio et je digère beaucoup mieux. Bon, je regarde dans la liste s'il n'y a pas un enfant qui s'appelle Broly parce que ça me ferait beaucoup rire. Mais... Non. Comme c'est dommage. Mais en même temps, comment vous avez fait pour monter une opération pour que les 7 suspects s'enfuient tous, en fait, sauf un? Parce qu'ils ont pas monté d'opération. On n'avait pas de quoi monter une opération, en fait. Un peu comme toi, avec tes 15 agresseurs. Moi, je les ai chassés, hein. Moi, je les ai chassés, je suis désolé, hein. Il y en a deux qui sont sur le carreau. Hein. Et moi, j'ai cherché un sachet de pop-corp, je m'installe et je regarde. Putain. C'est ton enquête dont on parle. Sinon, vous faites quoi? Bon, bah, pendant que Max se renseigne sur ses crips, moi, je vais déjà voir si on sait de quelle nationalité sont les deux enfants qu'on a récupérés. Et si on a un traducteur pour les interroger. Alors, il parle serbe. Parce qu'on avait dit comme ça pour rigoler qu'il parlerait serbe. Et je parie qu'ils auraient fait croire qu'ils étaient dans l'Alabama. Ils sont foirés. Non, en fait, alors le témoignage des enfants, c'est ils sont dans un orphelinat depuis qu'ils sont petits et ils savent qu'arrivés à 13-14 ans, ils doivent partir de l'orphelinat. Bah, il va falloir qu'on contacte Interpol, hein. Vite fait, bien fait. Et il est où l'orphelinat? Ouais, ils te disent... Alors, ils savent pas, ils seraient pas capables de le dire. Par contre, ils se sont enfuis de l'orphelinat et ils sont arrivés en ville, quoi. Et la ville la plus proche, c'est Los Angeles. Oui, donc ils sont en Californie, l'orphelinat, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'ils peuvent me dire sur l'orphelinat, les couleurs des murs, est-ce qu'il y avait, je sais pas, un truc spécifique, genre un énorme chêne centenaire Les montagnes de Los Angeles, elles ont alors... été proches, loin, la mer. Ils ont pas vu la mer. On leur a parlé de la mer, mais ils ont jamais vu la mer. Et ouais, il y avait des montagnes. Ouais. Et puis de toute façon, c'était une grande maison. On avait un champ, on pouvait se balader. Il y avait une petite forêt, mais on n'avait pas le droit de passer la clôture. Je vais voir Mélodie là. Ouais. Williams. Du coup, bah, je lui demande si elle connaît, vu qu'elle a travaillé au service de l'enfance, elle connaît un orphelinat qui héberge pas mal de gamins, qui correspond à cette description, en fait. Et où, carrément pas, ça lui dit rien. Et ils parlent serbe, mais ils sont arrivés là ou ils sont nés là-bas? Non, ils sont arrivés là. Bah, elle te dit, d'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a jamais eu de parents. Enfin, ils ont jamais eu de parents. Bah, donc ils sont arrivés là tout petits, mais... Et l'autre chose que tu apprends, c'est qu'ils parlent tous dans le Fulina serbe, en fait. Petit à petit, le cannibale fait son nid. Exactement. Putain.
Je regarde s'il n'y a pas un recherché d'Interpol pour crime contre l'humanité en ex-Yougoslavie qui s'est réfugié quelque part dans une petite ferme en Californie, une petite ranch, ou avant la scission de la Californie aux États-Unis, quoi. Alors, vas-y, fais-moi un jet de. Éducation, sang-froid informatique pour consulter les bases de données. Je fais étoile Holovitch. dans le champ des non-familles. J'ai le droit d'aimer mon petit camarade. Fais-moi plutôt éducation, sang-froid bureau informatique, s'il te plaît. Est-ce que j'ai le droit d'aider ma petite camarade? Oui, si t'as envie. Bah, après, je me suis mis sur cette enquête, mais je sais pas si... ok, d'accord. Bah, a priori, t'as bien fait de t'y mettre. T'as bien fait de t'y mettre parce que moi, déjà, je me suis... Après ça, clairement, il y a pas mal de gens, il y a une dizaine de personnes qui ont disparu des radars, mais qui correspondraient à ça venant de Serbie. Malheureusement, non, il n'y a rien, en fait. Après, le truc, c'est que... avec les événements qui avaient eu la création de la Fondation Europa, il y a eu aussi une période, un moment d'instabilité et de flou, où de toute façon, il y a des dossiers qui ont été perdus et pas informatisés ou autres. Donc, bon, c'est toujours pas, c'est un peu pareil. Une question pour les enfants, quand ils étaient à l'orphelinat, ils mangeaient quoi ? Hamburger frites ou des plats typiques serbes ? Alors, ils savent pas ce que c'est des plats typiques serbes, déjà. Bah, du goulash, de... Non, ils connaissent pas, ils te disent, on mangeait... les aliments qu'on cultivait dans l'endroit et aussi un peu les animaux qu'on élevait. Donc en fait c'est un orphelinat ferme. Ouais. Ça doit pas trop orphelinat. Après des fermes en Californie, je pense que des ranchs ou des trucs comme ça, t'as quand même une petite chier quoi. Et ben, c'est un peu le problème. Ouais, c'est bien le souci. On peut commencer. Et si on regarde la terre sur les chaussures, est-ce que c'est pas une terre qu'on trouve que à un seul endroit? Le problème, c'est qu'ils se sont baladés un peu dans Los Angeles. Hein. Ouais, c'est ça. Mais dans justement la maison, le fronton, il n'y avait pas une date marquée, une cloche gravée, ou un W pour, et un L pour l'Argo Winch, ou un truc comme ça. Il y avait 4 numéros et l'adresse. Non, je... moi, je recherche des bars ou des choses comme ça qui rassemblent la communauté serbe à Los Angeles, en fait. Ouais, bon, quand t'en trouves. Hein. Je veux pas te faire de jeu, mais t'en trouves. Ils ont marché longtemps avant d'être retrouvés. Alors, eux, ils vont dire oui. Denis, si t'as des questions aussi sur l'enquête, n'hésite pas, hein, parce que comme ils sont à 3 à participer... Hein, Oui, parce que toi tu veux extrapoler, s'ils disent qu'ils ont marché 24 heures en estimant qu'ils ont marché... Ils sont pas capables de dire combien de temps, mais ils ont marché plusieurs jours. Vers le soleil ? Vers la lumière, la nuit. Et elle était sur votre droite ou un peu sur votre gauche, la lumière ? En gros, de ce qu'ils disent, en gros, ils ont été plein ouest, hein, pour faire simple. Hein. Ça fait déjà une indication, quoi. On va changer l'angle d'attaque. On va essayer de cuisiner ceux qu'on a arrêtés, voir s'ils vont cracher le morceau. Juste retour des choses, serais-je tenté de dire. Donc, si on leur montre des photos satellites, ils sont pas capables de trouver... reconnaître un endroit où ils sont passés, ou un truc comme ça. Si on les prend en voiture et qu'on essaie de remonter... C'est vague, en fait. Non, t'arriveras pas à en tirer grand-chose. En plus, t'as le traducteur à côté qui galère... à moins d'arriver à raccourcir sur on va dire un comté précis ou enfin une région vraiment plus précise, non. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc tu veux interroger les deux que vous avez en tôle. Ouais. Trois, il y en a trois normalement. Il y en a un qu'on a arrêté en camionnette et l'autre que suivait Clyde. Ouais, deux seulement. Ok. Les deux sont donc dans des cellules du COPS, donc ils ont disparu. Non, je sens... Mais il n'y en a aucun autre qui a été chopé grâce au mandat d'arrêt ? Pour l'instant, non. Je suppose qu'on a fait suivre ça au fédérales mexicain, hein, parce que... Pourquoi, à la frontière déjà, surtout. Oui, mais bon, aussi, parce que je pense qu'ils l'ont franchi, la frontière. Hein. Depuis le temps. Pas dit. Mais bon, bref. Ouais. Au Canada.
Bah écoute, hein, déjà sur le premier, on va y aller méchant, quoi. C'est que avec ce qu'on a là, il risque carrément l'injection létale. Le seul moyen de communer ça en peine à 300 ans d'emprisonnement, donc à perpétuité, quoi, c'est de nous aider pour qu'il nous indique où se trouve la ferme. Alors, il a pas pris d'avocat. Il vous dit la chose suivante, je suis prêt à vous aider si vous me donnez un bon steak. Mais un vrai steak, hein. Un vrai bon steak. J'ai le droit de lui en coller une. Ah non, c'est pas. Zut. Aïe. On n'obtiendra rien de lui. Est-ce que de la viande fumée, ça compte ou pas? Un pastrami, éventuellement. Parce qu'on se fait... On fait un petit tour au Mexique, on déterre 2-3 trucs et puis on est bien. Hein. Non, sinon, oui, on l'emmène au Mexique et on la joue médiévale. Hein. On le laisse à un gang bourré de cocaïne et puis il va comprendre sa douleur. Non, on le laisse à côté d'un commissariat avec de la cocaïne plein les poches, c'est encore pire. Bah, ils vont se servir et le tuer. Non, bah non, ils vont le mettre dans une prison mexicaine pour trafic en drogue. Je signale que le dernier gang que j'ai vu, il a fait cramer la personne à petit feu avant. Voilà, hein, donc. Mais s'il aime la bon, viande jeune, on peut pas lui donner un steak de ton frère? Bon, grosso modo, il a l'air complètement ch'tarbé, ce mec. Non. Non, il a pas l'air ch'tarbé, il a l'air de foutre de ta gueule, en fait. Mais il est complètement à l'ouest. Tu sais que tu vas claquer, là. Hein. Tu sais que t'es condamné à mort avec ce que t'as fait. J'ai rien fait. Sérieux? Bah, oui. J'ai conduit un van d'un point A à un point B. Et il est pas dans la vidéo où il bouffe les bombes? Non. Non, enfin, vu le contenu du van, il peut être accusé de criminel de complicité. Ouais, de meurtre, c'est ça. C'est détail, complicité quoi. Là-dessus, c'est pas mieux. Et il avait pas un GPS dans son van? Non. Enfin, non. Son téléphone, peut-être, en suivant son, oui. son déplacement par téléphone, en fait, peut-être. Bah, pour le coup, il est éteint son téléphone quand il se déplace, pour le coup. Non, pour le coup, ouais, le colis est un peu trop précieux. Et sensible. Mais dans tous les cas, il te dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? De toute façon, il te regarde avec un petit sourire, il se lèche un peu la veste, et de toute façon... Vu comment c'était, je regrette rien. Franchement, il te regarde dans les yeux, Juan. Je vais lui foutre un bon coup de pression. Attends. Il fait, Juan, il te regarde, il te fait, vous devriez essayer. Hein. Les enfants, il n'y a rien de mieux. Il va s'en manger. Il faut que tu m'arrêtes, Denise. Parce je crois qu'il va t'aider. Non, mais alors, c'est soit, sincèrement, c'est soit je l'aide, soit si je vois que vraiment. En fait, le truc, c'est que. Moi, en fait, je vais lui mettre un bon coup de pression, une bonne peur. Ouais. Mais... Bah, vas-y. Fais-moi ton jeu, ou si tu veux pas le faire en roleplay, mais fais comme tu veux. Bah, de toute façon, tout a déjà été dit entre. Oui, bah, donc, fais ton jet. Parce que Juan l'a pas encore fait. Pareil, Juan, fais ton jet. Je pense que t'impressionneras plus que moi. Fais ton jet quand même, Juan aussi. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a tous les deux lancé le jet en même temps? Non, j'ai rien fait. Il l'a pas encore lancé. C'est son lancé. Ouais. Non, heureusement. Ah, mais 1, 2, 3, hein, c'est. Alors, intimidation. Ah, ce pire lancé. J'ai pu utiliser intimidation. Hein. Sang-froid intimidation ou force intimidation, les deux me vont. Ouais, c'est la même chose pour moi. Non, j'ai utilisé le sang-froid, ça. Ridicule, oui, non, mais. Ah, non, quand même. Allez, on va le faire sa résistance. Oh putain! Écoute, il dit... Non, réellement, je suis prêt à tout vous dire. Le nom des commanditaires, qui sont ces gens qui se sont enfuis, où ils habitent, où sont les enfants, mais contre un bon steak de jeunes enfants. Et je veux que vous le découpiez devant moi, hein, parce que je ferai pas confiance. Ouais, mais le problème, justement, c'est que si on veut fournir un bon steak d'enfant, il faut. Il avoue. Là, il vient d'avouer. Sinon, ça ne sera jamais un bon steak. Ah, mais il te dit, tu dois sûrement avoir une fille ou un fils. J'en fous une. Non. Ah, ça part direct, là. Réflexe. Il a glissé. Non. C'est mon réflexe. Hein. C'est mon réflexe. Ok, tu fais un autre réflexe, Rohan, s'il te plaît.
C'est ainsi que sur un réflexe à la con, tu ruinas tu me dépasses ton enquête. Alors, c'est un réflexe pur? Ouais. Le mec se prend une grosse droite, t'as pas eu le temps de l'arrêter. Eh merde. Ah, t'as vu, Denis, il s'est fait ça tout seul. Maintenant, je l'emmène hors de la pièce. On est filmé, tout ça, donc c'est mort. Je l'emmène hors de la pièce. Il dit, au fait, je veux un avocat. Un officier de police vient de me blesser. Ferme ta gueule et tu verras bien ce qu'il en sera. Ah, et toi, toi tu viens avec moi. Le coin de la table pour faire croire qu'on l'avait frappé. C'est le genre de truc classique. Je te rattrape et je t'attrape. Il y a, les deux autres, vous avez vu la scène depuis derrière la vitre sans teint. Je pense que le Fessman qui s'enfuit s'entend de San Francisco, tu vois. Je sors, je vais chercher Juan et je l'engueule. Dans le couloir, mais genre, mais t'as perdu l'esprit. Et sérieusement? Tu viens de ruiner l'intégralité de toute ton enquête, tu ne peux plus rien faire contre lui. Il a mis, il a, regarde-moi non, mais il le droit fait dans les le yeux couloir. Et dis-moi que tu n'as pas fait la même chose. J'ai dit que je le faisais dans le couloir. Tu ne peux plus rien faire contre lui, il est devenu intouchable. Il s'est cogné contre le coin de la table. C'est ce qu'il voulait. Arrête d'être con, il y a des caméras partout dans cette salle. Il y a de fortes chances qu'une partie des caméras soit enroutée au SAD en plus. Putain, sérieusement, mec, t'as fait de la merde. T'as fait de la merde. Tu voulais quoi? Tu voulais qu'il s'échappe? Il était en train d'avouer qu'il bouffait des gamins. Justement, en même il temps, avait maintenant, de gamins, il serait échappé. On l'aurait pisté jusqu'à la ferme. Ok, d'accord. Ça tient pas devant le SAD. On est d'accord. Ça tient devant personne. Non, putain. Mais bon, ouais. On a droit d'être humain aussi, bordel. Mais mec, tu viens de t'empêcher, tu viens de lui donner tous les moyens d'échapper à toutes les conséquences de son crime. Ah non, il peut juste dire qu'il a subi des pressions de la part d'un flic et tout, ça n'empêche pas qu'il est toujours... Le mec il frappe à la porte, il dit j'ai besoin d'un infirmier, ça saigne. Pisse le sang. Non, moi je demande la venue d'un infirmier. J'ai une formation au premier secours, je peux m'occuper de lui. Touche pas, tu ne l'approches plus. Sérieusement, si tu l'approches, on va avoir le sein sur le cul. Top, arrête tes conneries. Il a perdu que 3 dents. Je peux encore lui faire 3 de plus facile. Alors, tu veux vraiment perdre 3 dents de plus? Non, mais Denis, le faire bouffer. Lynn, rappelle Denis parce qu'il est en train non, de non, faire non, non, un non, cap comme l'autre. C'était pas à l'accusé. C'était hein. Une menace à Juan. Hein. C'est ça. Moi, je regardais Juan. Tu veux vraiment perdre 3 dents? Merci. Bon. Je vais me prendre un verre autre. Ouais. Non. Je vous laisse reprendre la suite. Si. Non. Je vous laisse reprendre la suite. Denis, Lynn, si t'as envie de l'interroger, si t'as des questions à lui poser, fais-le maintenant. Moi, je vais emmener Juan prendre l'air parce que là, il a besoin d'air. Exactement. Parfait. D'ailleurs, Lynn, si accidentellement l'arbre que tu nettoyais pouvait. Je baïonne. Je baïonne. Non, bon. non, mais ok. Le mec, il frappe à la porte. Vous pouvez aller voir un médecin ou vous même c'est Bah moi j'ai demandé un médecin partout. Oui, un médecin. C'est trois fois rien. Il a juste la carte sous ses. Non, moi j'emmène Denis. Je t'emmène loin. Je t'emmène chez Mamie Noon histoire de te calmer. Je demande. On va faire appel au deuxième, je pense. Lui, c'est plus. Ouais, la peine, je pense que c'est. Mais à la rigueur, fais sortir l'autre à la gueule en sang devant l'autre, comme ça il comprendra tout de suite. Ok. Donc le gars est sorti et il y en a un autre qui rentre à la place. Pendant ce temps, Juan est en train d'enchaîner les cafés. Je suis pas sûr que le café, t'appelles ça des cafés. J'ai demandé un des chauds, tu vois. Enfin, un truc qui te calme. Et il y a même une qui dit, ouais, mais il a demandé un Irish Coffee. Exactement. C'est alors, chaud et il y a du lait. C'est pas du lait. Ouais, sauf que je préfère mon Irish Coffee sans café et sans lait. C'est... Alors. Bon, ouais. Pendant ce temps, ouais. À l'étage, Denis et Lynn. Ok, bah du coup,
Je reçois le truc, le gars, je lui dis s'asseoir, je lui présente le dossier. Une des choses que j'aurais fait avant, en fait, c'est au gamin, j'aurais pris dans le documentaire fiction machin, là. Ouais. Prendre des screenshots des gueules de tout le monde, en fait. Ouais. Des gens qui semblent... Bah, ils sont, pour le coup, dans le truc, la plupart sont pas bien visibles, en fait. Donc. Mais ça correspond de toute façon à une bonne partie des photos que Max a prises. Okay. Bon, bah, du coup, je montre aussi les photos aux gamins. Voilà. S'ils peuvent me dire lesquels ils voyaient souvent ou s'il y en a, où ils en voyaient aucun souvent, en fait. Bah, clairement, aucun. Ouais, non, Donc ça veut dire que c'est un service qu'ils payent, en fait. Il paye le truc pour les manger. Et donc, il y a un business de ça. Ok. Et du coup, au gars, je lui dis... je lui présente le dossier, quoi. Ah, il comprend pas, lui. Il prenait le bus et on l'a arrêté. Ouais. Bien sûr. Mais on vous a vu sortir de tel endroit avec Il est pas sur la vidéo Peut-être c'est un des mecs masqués. En dehors de ceux qui sont pas, mais peut-être, mais pour le coup, il fait ouais, mais je travaille là-bas. Ouais. On est clair qu'on a demandé un lavement en fait pour récupérer tout ce qu'il y avait dans les estomacs des deux personnes. Oui. Dans les deux, ouais, il y a des morceaux d'enfants. Ok. Du coup, on a une. Je lui dis la preuve qu'on a, tu vois. Avoir des restes humains dans son estomac n'est pas. Comment dire travail. Oui, mais j'avoue, j'étais pas au courant. Moi, ils m'ont nourri et maintenant, je me sens vraiment pas bien. Ouais. Je sais pas si c'est personnage ou MJ qui est pas convaincant. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Moi, je suis prêt à vous croire, vous savez. Mais. Pour faciliter cette croyance, en fait, il faudrait trouver des gens qui puissent dire qu'effectivement, ils vous ont pas expliqué ce que vous allez manger. Et pour le coup, hélas, ils nous ont un peu filé entre les pattes. Et donc, vous aviez quelques contacts à nous Objection, donner, votre voyez. Honneur. L'accusé essaye de déformer l'enquête menée en cours. Non. Il est en train de baratiner le mec pour qu'il lâche ce qu'il faut. Oui. Voilà. Et potentiellement, si on pouvait mettre la main sur d'autres enfants avant qu'il ne leur arrive quoi que ce soit, des petits soucis d'assiette, on serait prêt à peut-être vous aider dans votre situation. Ah oh bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider si je peux avoir quelque chose, si ça peut me sortir de ce mauvais pas Dites-moi comment je peux faire pour retrouver les enfants qui restent. De ce que vous m'avez dit, je crois qu'ils étaient. Enfin, il y en a encore d'autres. Semblerait. Ouais. Non, ils se lâchent pas les babines. Semblerait. En fait, tu, il a le cul entre deux chaises, donc tu vas me faire le jet de d'interrogatoire. Ouais. Ça tombe bien, c'est une partie charnue, ça va être tendre. 4 succès. J'appuie physiquement derrière, tu sais, dans le genre, bras croisés, tout ça. Oh bon, pas besoin. Ok. Le mec, tu pousses, tu boostes, tu l'interrogatoire dure deux bonnes heures où tu essaies d'avoir le truc. T'as Juan et son collègue qui arrivent derrière, qui regardent le truc derrière la vitre. Ça s'entend parce que t'as entendu Juan claquer la porte. J'empêche Juan de se coller à la vitre et de toquer comme un connard à chaque fois qu'il y a le monde. C'est pas ce qu'il a, c'est pas ce qu'il fait. Je pense. Non mais je sens venir. Je le connais le bonhomme. Dans tous les cas, le mec, en fait, explique que bon, lui, il voulait pas. Certes, il était au courant, mais il a été pris dans le truc. Il pensait que c'était une blague. Enfin, il essaie de minimiser le maximum son rôle et il te donne en fait des pseudos des autres et une adresse internet en fait où il les a rencontrés. Qu'un vieux forum à l'ancienne et tout, et il vous donne ses anciens identifiants. Ah. Et,
Et de là, en fait, il dit, lui, tout ce qu'il a fait, c'est, il est venu, il croyait que c'était pour la blague, que c'était pas vraiment ça, que c'était un canular. Ouais. Mais voilà, mais il n'est pas responsable du truc. De toute façon, c'était les mecs qui gèrent le forum. C'était de la viande reconstituée, vachement bien faite. Ouais, alors il y a des chances qu'il les ait vus se faire découper les mômes, hein, donc. Mais okay. Voilà. Bon, voilà ce qu'il vous donne. Je prends en compte ces détails, je le remercie très chaleureusement de sa coopération. Et que si ces données portent des fruits, ça sera ajouté à son dossier. Non, mais il veut un accord, comme il faut un accord. Est-ce que tu veux un procureur pour faire un accord ou tu l'as bullshité? Parce que pour le moment, t'en as pas parlé. Pour moi, pour le moment, c'était du bullshit et ça sera pour ça, exemple, pour sa gueule. Oui, mais justement, ah oui, c'était un peu l'idée. Bah, ok, ça me va. De toute façon, lui, il y croit, mais c'était de la merde. Ouais. Sachant qu'à aucun moment, tu lui as proposé un accord. Oui, c'est ça. Après, dans les faits, je le rajouterai au dossier qu'il a communiqué des trucs et voilà. Mais mais ça va pas être, c'est pas un accord à l'américaine. Il a pas pris d'avocat, c'est con. Hein. Bah oui. Et donc du coup, je vais voir Juan et je lui dis, je lui donne la liste avec le pseudo, le mot de passe et l'adresse internet et je dis tiens, ça c'est gratuit. Merci. Pour une fois. Et tu ouvres la porte avec ça et tu tombes sur un agent du SAD et un avocat. C'est pas moi, hein. Non, j'allais dire, Lynn est juste derrière si vous voulez. Non, monsieur. Gonzalez, oui, c'est vrai. Oui. Vous avez molesté le client de maître ici présent? Il te donne le nom du mec que tu viens. Il avait trébuché. Ah bah écoutez, c'est parce que j'ai regardé la vidéo et c'est pas ce que j'ai vu. Ah, c'est parce que l'angle était bon en fait, mais si, je vous assure. Bon, monsieur Gonzalez, vous êtes en état d'arrestation. Permettez-moi. Non, vos mains dans le dos, tout de suite. Et tu vois qu'il a mis la main sur son arme. Calmez-vous. Juste des informations sur l'angle. Non, vous vous dites plus rien maintenant. Ok, bon, j'arrête moi-même, Juan. Comme ça, prends mes papiers, ça serait pas mal. Oui, mais de toute façon, tu les laisses là, tes papiers, c'est pas grave. T'avais rendez-vous avec Charisma Fox, putain, mais... Il fait tout pour enfoirer son couple. L'univers est contre toi. Donc tu descends à l'étage du SAD. L'univers, il fait pas ça tout seul, on va dire. Quand même, hein, À un moment donné, il faut que t'assumes, comment dire, la réussite de tes actes. Dans les 48 heures, le mec est libéré. Bah ouais. Oh, on va le suivre. Oh, on va le suivre. Oh oui. On va le suivre. Bah justement, mais ouais. Bien sûr, tu l'as c'est ce que je t'ai dit, tu l'as fait libérer. Bah justement, bah suivez-le, bordel de... Planquez-le. Non mais... alors, en fait, il t'a arrêté juste pour te descendre à l'étage du SAD parce que t'avais l'air d'être quelqu'un le citron. Parce que bon, tu te prends une soufflante à l'étage du SAD, tu te prends une soufflante par ton supérieur. Mais en soi, donc en gros, t'as fait un vice de forme et ils te disent, en gros, tu viens de laisser partir potentiellement un quadruple meurtrier d'enfants. Et donc, autant dire que tout le monde t'en met plein la gueule. Ouais, et Mélodie Williams, elle te chante maintenant en trois actes. Hein. Et à côté de ça, t'as comment c'est, sur le tableau, tu sais, où les accidents machin, t'as un truc, c'est marqué le cops de la honte, et t'as ton script Nick qui prend ta photo en A4 et qui l'agrafe ici. Sérieusement? Ouais, il a pas tort. Hein. Moi, je jette pas la pierre hein, en même temps. On a essayé de t'empêcher et tu t'es enfoncé, mais genre t'as creusé, t'as atteint la croûte terrestre et t'as continué à creuser quoi. Il avait une bonne drill. Pardon. Non mais t'inquiète pas, s'il tombe sur Lynn, le mec que t'as laissé libérer, je vais le tuer. Par contre, t'as toujours l'enquête, hein. T'es pas retiré de l'enquête ni rien, ouais. C'est juste que tu t'en prends plein la gueule le reste de l'après-midi. Bon, c'est une mauvaise journée, mais en même temps, putain, vu le plaisir que j'ai eu à y foutre mon poing sur la gueule. Ça compense. Ouais, c'est un plaisir de quelques secondes, là. Ouais, je sais, mais bon, il y a des plaisirs de quelques secondes qui durent toute une vie, tu sais. Ouais, enfin, c'est un peu comme un gamin, 3 secondes de plaisir, il va t'en emmerde, quoi.
Bon, par contre, Max, toi qui t'y connais vachement bien en informatique, je voudrais bien que tu... Bah, c'est ce que j'allais faire de toute façon, hein, tu sais. Pendant que moi, je vais planquer et puis je vais essayer de suivre... À titre d'info, Sniper, pendant que vous êtes en train de parler, Sniper a invité au resto Little Man qui a refusé. C'est une journée de merde pour beaucoup de cops aujourd'hui. En même temps, suite à cette histoire, il l'a invité au steakhouse. C'était un peu. Je vais passer à un magasin de bricolage et je vais acheter un râteau. Et tu vas le mettre sur sa chaise. Bizarrement, il va le retrouver sur son bureau en rentrant de mission dans un jour. Quoi. Le lendemain, ok. Ouais. C'est très moche. Ouais. De mon côté, je fais toutes les recherches qu'il faut, c'est-à-dire IP des mecs qui ont posté sur le forum, tout ça, pour essayer d'identifier un maximum de personnes. Pour le coup, ça parle pas. En fait, la première page du forum en public est dédiée en fait sur avant de vous inscrire, et t'as toute une explication sur l'utilisation des VPN. Non, putain de NordVPN. Ouais, mais en même temps, c'est des pseudos qu'ils utilisent aussi ailleurs, donc. Oui, mais. Ça. Ah, attends, on peut peut-être faire une perquisition chez le gars pour aller récupérer son ordinateur chez lui, en fait. Hein. Pour le faire depuis chez lui et d'avoir accès Je considère que vous avez déjà fait les perquis, hein, moi, des gens. Ouais, bah du coup, on prend son ordinateur, on le démarre, en fait, hein, on s'en marre pas. Hein. Oui, voilà, puis... Ah, non, mais ça, c'était pas le problème. Moi, il demandait de faire une recherche IP des gens sur le forum. Donc je disais que le truc c'est que ça pour l'IP du gars des autres il les aura pas en fait c'est tout ce que je dis. Oui mais on peut peut-être avoir des indices dans ce qu'ils disent. Ah par contre mais ouais mais ça c'est dans pas un problème. Ils essaient de repérer s'il y a pas la prochaine rencontre ou s'ils vont pas sélectionner les parce que je suppose que s'ils en ont prélevé une partie c'est qu'ils avaient attends. Le forum. Il y a deux étapes sur le forum. La première c'est voir s'il y a des infos sur le futur et la deuxième enfin c'est dans le sens La première, ce serait fouiller dans tous les messages pour essayer de voir toutes les infos personnelles et trucs comme ça qu'on peut recouper. Pour identifier les gens, c'est pas mal de savoir. Et recharger sur le net le nom des pseudos s'ils sont pas inscrits sur d'autres. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, bah, vous me faites tous 100 francs informatique, tout simplement. Ouais. C'est parti. Plus il y a de marge, mieux c'est. C'est pas gagné avec moi. Alors, tu sais, vu mes jets d'aujourd'hui, je pense que mon résultat, c'est 2. Oh putain, j'ai fait 5. Ah, je suis remonté, là. Après le 0, tu m'étonnes. Oh, j'ai fait plus que 2. Oh. Et il manque plus que Denis. Bon, voilà, c'est plutôt des jets corrects. On fire. Alors, pour le coup, les pseudos, non, ils sont pas utilisés ailleurs. En fait, les pseudos sont assez équivoques. Gros porc, enfin, c'est des pseudos qui tournent autour de la viande. Donc en retrouver ailleurs, c'est oui, vous en retrouvez ailleurs, mais c'est pas parlant. Pour ce qui est par contre de ce qui est dit sur le forum, en fait, les mecs ont continué à parler en fait en pensant que, en disant qu'il y a eu une descente de police en fait comment ça s'appelle ? Avec les infos que vous avez, le mec là qui a été libéré, en fait, dès qu'il est sorti, il a commencé à communiquer sur le forum comme quoi il est sorti et il se fout de la gueule du policier qui fait des policiers. Ok. Je vais te le fumer, lui. Mais du coup, maintenant, on peut l'arrêter pour complicité, d'évasion, de crime. Non, au contraire. Pas encore. Pas encore, on va juste le... Oui, mais ce gars, de toute façon, on a le nom, on a son identité, son adresse et tout, donc on va le pister, quoi. Oui, mais du coup, tout ça, c'est rajouté en tant que preuve pour la nouvelle enquête, sur quoi il les aide. Non, mais qu'importe, pour le moment. A priori, il y en a plusieurs qui ont... Il y en a déjà trois qui sont partis au Mexique, qui ont dit clairement, c'est marqué dans le truc, qu'on est partis au Mexique. Et il y en a deux autres qui disent qu'ils sont encore à LA et qui restent chez eux et qui se terrent, qui se planquent. Et il y en a un des deux, celui qui a l'air d'être un qui est à LA, qui est le modérateur du forum, qui dit de toute façon j'ai contacté la ferme et si vraiment vous avez faim les gars, il y a moyen d'avoir une autre livraison et même. Ah, c'est-à-dire que la ferme est frontalière. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais c'est le modérateur et il connaît où est la ferme. Donc il faut essayer de l'identifier lui. Et à partir de là, on peut démonter tout le truc. Mais, vous avez sa tête. Vous avez sa tête, en fait, hein, gars. Parce que le mec vous a dit les pseudos à quelle tête ça correspondait. Ah putain, génial. Et accessoirement, le mec est en train de nous dire qu'il faut qu'on continue à le surveiller parce qu'il va sûrement voir des commandes passer avec des infos.
Est-ce qu'on peut faire une recherche faciale dans le fichier de la police? Il a peut-être été arrêté pour n'importe quoi. Alors, je pars du principe que Clyde l'avait demandé la semaine dernière et donc pour ça n'a rien donné. Putain, merde. Au témoin qui nous a livré des infos, là, qui nous a livré la liste, qui a fait la cuisine en fait? Qui a découpé? Qui a. Ils te donnent les pseudos et en gros, ceux qui ont fait la cuisine, c'est ceux qui sont barrés au Mexique. Parce que eux. Mais celui qui avait l'air de s'y connaître, c'était le modérateur en fait. Voilà. Bah écoute, on va faire une recherche de boucher. On va faire Je suppose que vous avez dégusté avec un magnifique Chianti, non? Ça, alors, il rigolera pas parce que vu sa situation, c'est pas le moment, mais le MJ rigole. Éventuellement, si on fait dans croire tous les que celui, qui, ouais. celui qui a vendu le feu de alors, son je me permets, ça vous prend quand même un petit moment et je dirais même quelques jours pour faire toutes ces recherches en même temps. Parce que comme j'ai dit, mais c'était au bout de 2 jours qu'il était libéré, donc ça nous amène au 18 décembre. Et il est 14h. Denis, tu reçois un coup de fil. Oui. Je vais à l'hôpital. J'ai des contractions et j'ai perdu les os. Piou ! Bah, c'est simple, hein. Il y avait un Denis, mais vous le voyez plus. Vous le voyez plus. Il est comment? Ah ouais. Téléportation. C'est quoi la première règle du COPS? Ah oui, il fait de bande à part, c'est vrai, j'oublie. En rentrant dans l'hôpital, tu te fais pas poignarder 5 fois. J'ai fait un rapport au SAD, hein, Denis, si, voilà, il suit ses responsabilités. Tu préviens tes collègues, peut-être, quand même? C'est, bah, en gros, je pense qu'ils se doutent un peu, s'ils me voyaient partir en courant et tout. Non. Bah, t'as peut-être forcément, une grosse hein. courante, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Murdoch a été encore kidnappé, je sais pas. Voilà, c'est à peu près ce que je pensais. Code Murdoch, je répète, code Murdoch. Non, ils sont pas dans ta tête, donc il faut que tu leur dises ou tu leur dises pas. C'est simple, c'est, je me lève, je vais être papa, et puis... Disparition du Denis. Aïe, aïe, aïe. Ça, mais du ça, coup, tu veux combien ça lui prend comme ça, les envies de parenté ou... Bah, vous êtes au courant que sa femme oui, est enceinte jusqu'aux yeux, hein, pour le coup. Hein. Oui. Mais est-ce qu'on a envie de l'avoir dans cet état? Je suis pas sûr. Nous, je pense qu'on a envie de garder l'image de... Mon personnage est pas trop choqué par ça. Enfin, globalement, il a déjà vu l'équivalent. Mais est-ce qu'on peut vérifier si c'est vraiment elle qui envoie les SMS? Parce qu'on sait qu'il se passe des trucs chelous sur les téléphones de Denis. Tu sais que tu commences à devenir très paranoïaque. Non, mais j'aime bien. C'est de la bonne parano, ça. J'avoue, c'est de la bonne parano. C'est pas con. C'est-à-dire, tu fais quoi exactement? Parce qu'il s'est barré quand même avec son téléphone, hein. Bah, on essaie de le retrouver et de le suivre pour être sûr qu'il va pas dans un piège à con. On localise le téléphone de la nana. Alors, ouais, on a besoin d'une localisation sur ce téléphone. Désaffectée à South Park. La nana, alors, bon, ça vous prend un petit peu de temps et elle est à l'hôpital. Ah merde, j'aurais préféré le hangar désaffecté à South Park. En fait, il s'en sortait mieux quand elle était kidnappée et utilisée comme appât. Ok. Bon, bah apparemment façon, il va être papa. J'achète des cigares. Parce qu'il paraît que. Ouais, des couches. Des Lexomil. Ouais, je vais acheter une paillette en fait. Parce que c'est ce qui est plus important. Bah, du coup, je pense que nous on va laisser. On va attendre la fin du service avant d'y aller quoi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Histoire de le couvrir un façon, petit peu. Et ça, puis, ça vient pas comme ça, hein, ça prend quelques heures. De toute façon, tu. Ouais. Ça peut prendre super longtemps. Bonne chance. Allez, lance un des 10. Hein, elle est morte en couche. Oh l'enculé. Ok, pendant... Crois-moi, tu t'en tireras mieux grâce à ça. Vu l'heure qu'il est, je vais épiloguer rapidement sur ça. 24 heures plus tard, un petit garçon naît. Ah, t'avais fait le jet de dés? Un petit Denis. Non, j'avais marqué... On était le 18 et je savais qu'il naissait le 19. D'accord. Un petit Denis Junior? Ou alors t'as un autre prénom? L'appellera Caradoc. Le personnage de Game of Thrones. Hein. Parce que si t'as appelé ton chien comme ça. Hein. Moi je l'appelle le Caradoc. Ça porte vachement bien. Donc ma famille, on s'appelle Denis de père en fille. Donc ça, c'est pour ça. Pendant ce temps, cette journée même, Denise, bon, t'es excusé, entre guillemets.
Y a l'opération Chouba, je considère que tu as fait ta surveillance sur les deux baraques. Il y en a qu'une seule où il y a les trois et ils ont l'air que tous les trois dedans. Combien de personnes t'as demandé pour ton opération? C'est un quartier qui pue vraiment ou... C'est limite Clover City, ça va. C'est ça. Disons qu'il faut que l'opération soit rapide pour pas que ça pue. Minimum 10 personnes alors. Bah non, enfin... Ils sont 3. 6 personnes, histoire que ça aille vraiment vite et qu'on leur tombe dessus rapidement et qu'on se barre avec eux. Alors 6 personnes, 6 quoi comme personne? S'il y a de la métro. Alors, si c'est Noël et qu'on me dit tu prends ce que tu veux, je prends 6 SWAT, tu vois, mais. Ah ouais, tu prends même pas 6 cops, quoi. Bah si, mais je pense que les cops ils ont des enquêtes à faire, non? Bah t'auras 6 cops. Si, clairement, si, non, mais t'as 6 cops. Je te rends des 6 cops. Donc 3 devant, 3 derrière pour l'assaut? Ouais, et puis. Oui. Lequel s'appelle personne? Donc. Cops, personne. Je me suis fatigué. Donc, vous êtes 3. Vous êtes à l'avant ou à l'arrière? Je parle de vous 3. Hein, parce que. À l'avant, je pense. De la voiture ou de la porte? De la porte. C'est pour faire une arrestation de 3 personnes potentiellement armées. Vous êtes 6 cops en armure. Moi, je suis devant. Ouais, bah, je suis derrière. Ouais, moi aussi. Ok. Vous êtes je vais le faire rapide pour là. Donc, vous défoncez la porte quand vous voulez. Bon, on défonce la porte. Ok. Ah, on mime 3, 2, 1 avec les trucs et puis gros. Police ouvrez d'abord, non? Avant de défoncer la porte? Non, non, tu quand défonces même la porte. Tu gueules en même temps, police ouvrez. Tu fais pas police ouvrez et tu défonces après si on a le temps de dégainer. Bah, tu fais police ouvrez et tu boum. Crois-moi. Avec le bélier, tu défonces en gueulant police ouvrez. Bon, vous faites ça. Point. On va s'emmerder là. Ok. Vous craquez, vous explosez la porte, une épaisse fumée s'échappe de la maison. Genre de la fumée qui fait rire. Génial. Oh putain. Qui a un filtre sur son masque? Moi. Donc on sait qu'il n'y en a pas. Encore que je suis excusé de cette intervention. Ah bah on rentre et puis on va je préviens qu'il y a des gaz. Je pense qu'on est dans un buisson. Il y en a deux, ils sont là, ils sont en train de fumer. Il y en a, ils sont à moitié sonnés, et il y en a un qui fait « Oh putain, les flics !» Et il attrape en fait l'arme qui est à côté de lui, qui est un Uzi. Un hippopotame. Non, mais il a essayé d'attraper un Uzi. Bah on le plaque dans son état. Shoot dans l'Uzi, carrément. Ouais. Et là, tu vois que c'est un bébé. Quoi? Donc, okay. Qu'est-ce que la femme de Denis fait là? Ok, vous les arrêtez, les mecs, ils sont complètement faits. Ça valait le coup de prendre 6 cops. Ok. Bon, c'est mieux que rien. C'est bien d'être prudent. Hein. Vous arrêtez, vous faites rapidement une perquise des trucs que vous pouvez trouver. De toute façon, vous les recherchez, donc vous n'avez pas vraiment besoin de ce qu'il y a ici. Mais bon, s'il y a 2-3 trucs, histoire d'être rapide, genre leurs armes, leurs machins, et vous les embarquez, vous vous barrez. Oui, ouais, une fois qu'on est arrêté, on coupe la caméra, comme ça on peut demander. Je dis à Max si tu veux. Non, arrête tes conneries, c'est pas le bon moment. Sérieux. Et vous recevez un SMS de Denis qui dit c'est un garçon. Yeah. Mazel tov. Mais il ressemble à Juan. Non. J'en étais sûr. C'est une blague. Déjà c'est pas un orang-outan, c'est déjà ça. Putain. Ok, alors si tu réponds ça en SMS, t'as un SMS supplémentaire qui dit demain, tata mi, toi, moi. Ouais, ah ouais. Moi, je pense que t'aurais dû juste envoyer un gif de ton fa. C'est pas faux. Et sur ça, qu'on conclura pour ce soir. Ah voilà, Mazel Tov, et puis on termine sur une naissance. En plus, bientôt à Noël. C'est con, t'aurais attendu quelques jours de plus, t'aurais pu l'appeler Jesus. Mon fils ? Bah oui. Bon, en tout cas, au revoir les gens, bonne soirée, bonne journée, tout ça, abonnez-vous, likez, enfin s'il reste des gens qui écoutent. Et surtout, si vous prenez un steak, exigez un steak bio.
Oui. J'envoie le générique de fin, ça commence à être un peu une boucherie cette histoire.